Allô à tous. Qui est là? Qui regarde? Faites-moi les cocos. Vous me dites que vous êtes là. Qui regarde? Qui regarde? Qui est là? Qui est là? Faites-moi des coucou, vous me dites que vous êtes là. Qui est là? Bonjour, bonjour à tous. J'espère que votre semaine se passe bien. Bonjour, dites-moi que vous êtes là, vous me regardez. Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de partager. J'espère que vous avez commencé à partager déjà. Qui écoute là Faites-moi des cœurs faites-moi des cœurs, des likes là, vous me dites que vous êtes là. Qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Qui est là? Bonjour à tous. Bienvenue dans mon direct. Je suis Audrey Ninkam, entrepreneur e-commerce, formatrice. J'aide des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très important. Comme je le dis toujours, nous ne pouvons pas évoluer dans la vie quand il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne marchent pas. Nous ne pouvons pas réussir dans notre vie quand il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie. J'espère que vous êtes en train de m'écouter. Si vous m'écoutez, vous me faites des coucou, vous me faites des, vous me mettez des cœurs là, vous me dites que vous êtes en train de m'écouter. Comme ça, je continue. Et on partage, on partage à tous nos on partage à tous nos groupes, à, nous, à tous nos contacts. On partage, on partage. Je commande dans quelques minutes. On peut même commencer par une musique d'abord, puisque pour attendre, pour attendre les autres. Qui est là Faites-moi des, des... donnez-moi des cœurs là pour qu'on continue. Il ne faut pas que la vidéo s'arrête. Donnez-moi des cœurs et tout ça. Vous me dites que vous êtes là. Là, je ne peux pas savoir qui m'écoute, tout. Mais faites pas des cœurs. Qui est là Qui est en train de regarder mon direct Faites-moi des cœurs et des coucous, on doit parler. Vous avez vu le sujet. Pourquoi rien n'évolue dans ta vie On doit savoir, il y a une chose qu'on doit obligatoirement savoir c'est que, quand on, surtout quand on est entrepreneur ou bien quand on est dans, dans la vie de tous les jours, en fait, il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on ne constate pas, qu'on ne remarque pas, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer dans tous les domaines de, votre, de notre vie, que ce soit dans le domaine marital, que ce soit dans le domaine de l'éducation avec nos enfants, que ce soit dans le domaine des relations avec les autres, que ce soit dans, dans le domaine spirituel. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'évoluer. Et nous devons parler de ces choses aujourd'hui. Nous avons, quand nous, sommes dit souvent, quand nous sommes dans la connaissance, quand nous connaissons des choses, la, la, la connaissance nous a franchi de beaucoup de choses. Ça fait que nous ne puissions pas tomber dans beaucoup de pièges de l'ennemi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager, ça avec vous parce qu'il n'y a pas seulement l'entrepreneuriat. Comme je vous ai dit dans, dans, cette page, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on ne parle pas seulement de réussir dans le business et tout ça, non. C'est la vie courante aussi. Parce que nous avons besoin de savoir pour réussir dans notre business même, il faudrait que nous sommes d'abord fine dans notre vie. Il faudrait d'abord que tout soit en concordance dans notre vie, tout soit tout soit aligné dans notre vie. Vous avez constaté, il y a certains domaines que, si vous êtes dans certains domaines dans votre vie ou dans votre entreprise, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes encore bloqué. Vous ne savez pas qu'il y a certaines choses dans votre vie que vous devez d'abord régler. Si vous ne réglez pas cette chose-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup, vous n'allez pas entreprendre conformément à la. Conformément en tant qu'enfant de Dieu, vous n'allez pas bien entreprendre. Vous n'allez pas réussir dans beaucoup de choses dans votre vie, uniquement à cause de ces choses qui vous freinent, uniquement à cause des choses qui vous, qui vous empêchent d'évoluer. C'est ce que je veux parler aujourd'hui avec vous. Donc faites-moi des likes, mettez-moi des likes, des cœurs, pour que la vidéo ne s'arrête pas et comme ça, on continue à avancer. Nous avons besoin de savoir. Sachez, quand j'ai débuté, débuté dans l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Et je faisais beaucoup d'erreurs et j'échouais à beaucoup de niveaux. C'est quand j'ai commencé à, à suivre des enseignements, quand j'ai commencé à suivre des personnes qui entreprennent, comment ils font leurs choses, comment ils ont débuté, comment ils s'imprennent dans leur vie de, 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 en, 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 entrepreneuriale, que j'ai compris beaucoup de choses. Que l'entrepreneuriat ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement euh, aller se mettre là et vendre quelque chose. Ça travaille aussi sur nous comme je le dis tous les jours. Et si vous ne savez pas ce qui freine dans votre vie, vous allez toujours être un bébé entrepreneur. Vous allez toujours avoir des bébés clients. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. C'est pour ça que j'ai décidé, comme vous le savez, de vous donner des pépites, donc des, des choses qui vont changer les choses dans votre vie, qui vont évoluer un autre, à un autre niveau. Quand on connaît, on, les choses, les choses, notre perception des choses est différente. Notre perception de la vie est différente. Et c'est comme ça qu'on évolue plus vite dans notre vie. Donc, tu vas voir peut-être une personne qui a évolué, qui a pris cinq ans peut-être avant de construire une entreprise. Toi, si tu entres dans, si tu connais ses, 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 ses erreurs, tout ce qu'elle a fait et que tu n'adaptes pas, tu adaptes cela dans ton entreprise et tu ne fais pas ses erreurs, tu vas beaucoup évoluer. Je prends l'exemple peut-être dans le mariage. Quand tu entres en connaissance, quand tu entres, quand tu entres en, en contact avec des personnes qui, qui sont en train de réussir leur, leur mariage et qui ont, passé, qui ont traversé beaucoup d'étapes, il y a certaines choses que vous n'allez plus faire. Est-ce que vous avez appris comment ça marche? Parce qu'elles vous ont dit que sachez qu'à ce niveau, si j'ai fait telle erreur, ne faites pas cette erreur-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai mis. Pour quelques, pourquoi rien n'évolue dans votre vie? C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler de ça aujourd'hui. Donc, faites-moi des, des likes, des cœurs. Vous me dites, vous êtes en train de m'écouter. Chacun, vous venez de quel pays? Écrivez-moi là. Vous venez de quel pays? Vous me suivez dans... Vous êtes en train de faire quoi quand vous êtes en train de me suivre? Écrivez-moi ça en commentaire. Vous venez de quel pays en fait? Celles qui sont en train de me suivre, ben, euh, ceux qui sont en train de me suivre, vous venez de quel pays Écrivez-moi ça en commentaire. Là. Et aussi, je vais vous rappeler euh, notre formation qui a notre formation qui est prévue le, le 27 mars. Soit visible sur les, sur les réseaux sociaux en 2021. Le but n'est pas seulement, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement d'avoir des abonnés. Mais il faut convertir ces abonnés-là. Il faut aussi faire que ces abonnés-là vous aiment et payent votre produit. Si ces abonnés ne vous aiment pas, ils ne vont pas payer vos produits. Si vous ne donnez pas quelque chose à vos abonnés, ils ne vont jamais venir payer, votre, euh, euh, payer, venir, venir payer vos services. Jamais. Jamais du tout. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation-là. Ce sera très bénéfique pour ceux qui vont, qui vont s'imprimer. Bonsoir, madame. Audrey. Bonsoir, c'est à toi. J'espère que tu vas bien. Ce sera très, très bénéfique pour ceux qui, vont, qui veulent être visibles, qui ont commencé leur entreprise, ou même qui... Qui ont commencé depuis, ils n'ont pas encore les résultats qu'ils qu veulent. Ils n'ont pas encore des personnes qui pêchent toujours. Ou bien, ils ont juste un client par, par mois, un client par semaine. Cette, cette formation sera vraiment bénéfique pour vous. Donc, vous allez sur la page, vous allez voir toutes les informations concernant cette formation et vous vous inscrivez. Et je remercie à ceux qui sont déjà inscrits parce que ce qui est assurément, vous allez, vous allez, ça va vous aider. Ah, tu es au Togo, d'accord. D'accord. Ça va vous aider assurément. Si vous vous connectez, vous, vous apprenez que dans la... De, comment vous positionner sur les réseaux sociaux, vous apprenez comment, comment vendre vos produits et que les personnes payent euh, véritablement. Bonsoir, Tata autre, je viens du Cameroun. Bonsoir, Ingrid, j'espère que tu vas bien. Et que les gens payent véritablement. Le problème, le souci avec, sur Facebook, c'est que ce n'est pas tout, euh, euh, obligatoirement les abonnés, mais c'est que les gens payent vos produits, c'est que les gens payent vos services. Et pour que quelqu'un paye vos services, il y a beaucoup de clés que vous devez savoir. Pour que quelqu'un paye vos services, vous devez savoir aussi qu'ils doivent vous aimer. Si vous ne faites pas certaines actions pour que ces personnes vous aiment, ils ne vont pas payer vos produits. Il y a trois étapes que j'ai mises dans cette formation pour, montrer, pour vous montrer euh, comment débuter, comment euh, atteindre le cœur de votre clientèle pour vous permettre, pour que ces clients-là payent vos produits. Il ne suffit pas seulement d'avoir les abonnés. Si tu as les abonnés et que personne ne paye tes produits, ça ne sert à rien. Sans ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que tu sois sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais juste vous rappeler ça, que cette formation a lieu le 27 mars. Ce sera deux heures intensives. Deux heures intensives. On va parler véritablement du, du problème. Du problème véritablement. Comment se positionner sur les réseaux sociaux? Comment faire que votre clientèle paye votre, votre produit? Comment faire que les, vos abonnés vous aiment? Comment se positionner dans la tête de son client? Cette formation sera le 27 mars. Donc, nous allons commencer maintenant avec euh, avec le direct d'aujourd'hui, le but du direct d'aujourd'hui, c'était quoi Pourquoi les choses n'évoluent pas dans votre vie La première chose que je vais que je vais euh, parler ici, là, ce sera... Première des choses, c'est quoi Arrêtez de vous plaindre. Arrêtons de nous plaindre, mes chers amis. Arrêtons de nous plaindre. On se plaint trop, trop. Que ce soit avec eux, que ce soit dans notre entreprise. Oh, je ne vends pas. Oh, pourquoi les choses ne donnent pas dans ma vie Oh, pourquoi ça arrive qu'à moi vous voulez que ça arrive aux autres, ça n'arrive pas à vous. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Nous devons savoir si cette chose est arrivée dans ta vie, c'est pour une raison. Beaucoup de personnes vont me dire non. Audrey, comment tu peux dire que mon accident que j'ai eu c'est pour une raison. Audrey, oh, euh, après, prenez un peu, prenez un peu la perception que vous voyez des choses. Prenez ça d'un autre angle. Ne prenez pas ça comme vous êtes victime. Vous êtes victime. Mais regardez ça d'un autre angle. Est-ce qu'il y aura suivi après formation? Oui, il y aura suivi. Moi, je fais, vous savez que je fais toujours les suivis après les formations. Je ne vais pas vous donner un, un contenu. Et aussi, il y aura l'enregistrement. Donc, ceux qui ne seront pas là, ils ne seront pas disponibles à suivre la, la, la formation. Ils vont pouvoir euh, suivre les enregistrements. Même ceux qui ont suivi la formation vont pouvoir suivre l'enregistrement pour continuellement être en train d'adapter ça. L'enregistrement sera là pour une, une, période, une période limitée. Et vous pourrez avoir des conseils concernant cela dont vous allez pouvoir m'écrire et on va pouvoir discuter par rapport à cette stratégie que vous allez mettre en place pour que vous soyez plus visible sur les réseaux sociaux et pour que vous vendiez vos produits et vos services à un bon prix. Donc, concernant le fait que vous ne... comment, euh, comment vous n'évoluez pas dans votre vie, c'est parce qu'on on se plaint tous les jours. Je vous mens pas, j'avais cette habitude de me plaindre quand rien n'avançait dans ma vie, quand les choses tardaient à venir en fait dans ma vie, que ce soit avec mon époux, que ce soit dans mon entreprise. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai mis toutes les stratégies. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Toujours les plaintes, toujours les plaintes. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Les choses arrivent à un moment donné dans nos vies. Prenons ça comme ça dans la vie. Nous ne nous plaignons plus trop. Quand on se plaint, on accentue encore notre. Ça s'actuie encore dans ton cœur. Hold que, que tu puisses te concentrer sur vraiment ce qui est nécessaire pour continuer à avancer dans ta vie. Tu te, tu te concentres uniquement sur tes plaintes-là. Et ta vie va devenir que plaintes plainte et plainte. Tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu penses. C'est si pas chaque fois que tu, tu es en train de penser uniquement à ce que tu n'as pas eu. Tu n'auras rien. Tu vas toujours attirer cela dans ta vie et tu n'auras vraiment rien, effectivement. Donc, le but ici, c'est de ne plus trop se plaindre. Le deuxième, le deuxième chose ici, c'est apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Nous avons, nous sommes tous, euh, moi-même, j'étais comme ça. Hein. Quand j'avais quelque chose, je ne reconnaissais pas, je n'acceptais même pas. J'ai mes enfants, j'ai mes beaux enfants, j'ai mon mari, j'ai une belle maison, je vis tranquillement, je vis en paix. Mm -mm. On ne va pas reconnaître ça, mais on va toujours se plaindre de ce qu'on n'a pas. La chose à faire ici, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Tu as la santé, c'est bon. Même si tu n'as pas encore toutes les finances que tu veux, même si tu n'as pas encore tout l'argent que tu veux, tu as la santé, non. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu as la connaissance, non. Rends grâce à Dieu. Tes yeux sont en train de sauver tous les jours sur beaucoup de domaines dans ta vie. Rends grâce à Dieu de te connecter avec ça, avec ces personnes-là. Tu, tu, euh, tu manges, tu as un plat, tu mets la nourriture dans, dans, ta, dans, ta, dans ta mamie tous les jours, non, tu t'assois, tu manges. Non. Rends grâce à Dieu pour cela. Sois -en reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Pour pouvoir avoir plus de grâce, nous devons d'abord être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Bonjour. Bonjour, la Ravissante. J'espère que tu vas bien. Nous devons d'abord être... Nous, nous devons d'abord être aimants, d'abord savoir être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Tu as un travail, non, c'est bon. Tu as commencé ton business, non. Tu as une entreprise, non, c'est bon. Même si ça ne, ça ne débute pas, même si ça n'évolue pas au niveau que tu veux, tu as déjà ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu arrives à te lever chaque matin. C'est beaucoup. Combien de personnes Vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes qui meurent par jour. Vous-même, vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes qui meurent par jour. Si on voulait seulement s'attarder sur ça. Pensez-vous qu'on va me réussir? Si on voulait seulement s'attarder sur le nombre de personnes qui meurent par jour. Toi, tu as encore envie, tu es de suivre ce direct C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, rendons grâce à Dieu pour notre vie d'abord pour l'instant. C'est vrai, rendons grâce à Dieu pour tout. Oui! C'est la chose d'abord à faire. J'espère que vous avez commencé à partager. Ceux qui n'ont pas encore partagé, commencez à continuer à partager. Et mettez-moi des likes, des coups qu'on continue à avancer. Vous devez savoir une chose. Dieu, Dieu donne des choses. Dieu nous donne des choses dans nos vies à un niveau, hein, en fonction de l'étape qu'il a prévue pour nous. Tu es peut-être dans le niveau dont il faut s'aimer. Tu es peut-être dans le niveau là, il voudrait que tu, puisses, que tu puisses mieux chercher sa face. Cherche d'abord sa face. Cherche sa face. Tu es à ce niveau-là, Cherche sa face d'abord. Commence à prier, à remercier Dieu d'abord pour cela. Vous allez voir les choses vont arriver dans votre vie. C'est au fur et à mesure que les choses arrivent dans votre vie. C'est au fur et à mesure. Ce n'est pas en, en, en décidant que bon, je prie aujourd'hui, je demande à Dieu et directement vous avez ça. Non. Les choses n'évoluent pas dans votre vie parce que vous n'êtes pas reconnaissant, parce que vous n'acceptez pas, parce que vous vous plaignez tous les jours, parce que vous voulez que les choses arrivent à l'instant T. Vous, êtes, vous, voulez, vous, êtes, vous voulez que les choses arrivent là-dedans. Vous êtes pressé dans la vie. Ne soyez pas pressé dans la vie. Nous ne serons pas pressés dans la vie. Ce sont des personnes qui, à ce qui, mettons des pas, chaque pas, on met chaque pas, un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois dans notre vie. Vous allez voir que les choses vont évoluer dans votre vie en fonction des pas que vous mettez. Vous construisez, vous mettez un pied à la fois. Ne soyons pas, nous voulons pas les choses brutalement dans nos vies, vite, vite, rapidité. Quand vous partez vite, c'est comme ça que vous conduisez aussi vite. On connaît plusieurs entreprises qui sont élevées. Boom Tout le monde voit les constructions, on voit, on voit comment la personne brille. Après, c'est Pourquoi Après, c'est Posez-vous la question, pourquoi telle personne s'éteint Moi, j'ai évolué dans ma vie échelon par échelon. Échelon par échelon. J'ai échelon par échelon. Je mets une pierre, ça produit son effet. Je mets une autre pierre, ça produit son effet. Je mets une autre pierre, ça produit son effet. C'est comme ça que vous devez faire dans votre vie. Donc les choses n'évoluent pas parce que vous voulez voir les choses arriver à l'instant T. On ne peut pas voir les choses arriver à l'instant T là. Sachez que vous mettez une pierre, et les choses peuvent arriver d'après 5 ans. Les choses peuvent arriver après 10 ans. Mais vous avez déjà mis la pierre, c'est ça qui faut. Maintenant, il y a aussi une chose qui fait que vous n'évoluez pas, c'est quoi C'est la rancune et le manque de pardon. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité aujourd'hui. Notre cœur est souvent dur. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on a mal. On a un cas de rancune. On commence à maudire la personne. On commence à, à maudire la personne, maudire sa vie, maudire sa génération même. C'est pourquoi les choses n'avancent pas dans les tiennes. C'est pourquoi les choses n'avancent pas dans les tiennes. Si tu passes ton temps à maudire la vie de quelqu'un parce qu'il t'a fait quelque chose, on part où Vous partez où Non je vous dis, je parle parce que j'ai fait cette erreur-là. Vous partez où Comment tu peux demander les grâces dans ta vie si toi-même tu n'arrives pas à accorder cela à une autre personne C'est impossible. C'est pour ça que les choses ne vont pas évoluer dans votre vie. La rancune, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. À Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez. Prenez même une étape, une, une reconstruction sur cela pour le pardon. Pour le pardon, prenez même des livres qu'il faut pour ça, pour parler, pour, pour, pour lisez ces livres-là sur le pardon, lisez ces livres-là sur le, la reconstruction, lisez la Bible sur le pardon. Il faut qu'on apprenne à pardonner les autres. Que ce soit un membre de ta famille qui t'a fait du mal, pardonne-le. Pardonne-le. Si tu vois les choses avancer dans ta vie, si tu veux être propulsé dans ta vie à un autre niveau, pardonne cette personne-là. Pardonne-le. Sinon, les choses ne vont pas évoluer dans ta vie. Hello, Manto. Hello, Florette. J'espère que tu vas bien, ma queen. Sinon, les choses ne vont pas évoluer dans ta vie. Si tu n'arrives pas à pardonner, que tu es toujours rancunière, tu gardes ce noir, que tu ne vas que donner ce que tu as dans ton cœur. Ça ne va que se refléter. Si tu as que du mauvais dans ton cœur, c'est ça qui va se refléter. Donc, pardonne à ces personnes-là. Si vous avez des difficultés à pardonner, demandez à Dieu la force nécessaire pour vous aider à pardonner. Pour vous aider même à vous pardonner, même vous-même. Il y a des choses qu'on a commises dans notre vie, il y a des choses qu'on a beaucoup commises dans notre vie, on n'arrive pas à se pardonner. Pour vous-même, vous venez vous à vous pardonner, vous-même, pour évoluer dans votre vie. Bonjour, bonjour, coach. bonjour, Gavanat, comment tu vas, Ida, j'espère que tu vas bien, ma queen. Pour éviter, pour, pour que les choses évoluent dans votre vie, vous devez vous pardonner et arrêter la rancune contre les autres. Il y a aussi une chose qui fait que vous n'évoluez pas dans votre vie, ce sont les réclamations. Ce sont les réclamations qu'il y a sur votre vie, les réclamations dans les familles. Vous savez que dans, il y a des choses qui existent, il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup de personnes peut-être ne savent pas encore. Il y a le monde spirituel. Il y a le mauvais. Il y a le, 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 les, les, esprits, les esprits mauvais. Il y a le, le diable qui est mandaté. Donc le Satan envoie ses agents d'abolition qui, qui est mandaté dans votre vie pour construire, pour construire des mauvais hôtels dans votre vie. Il y a des liens, il y a des réclamations qui sont dans vos vies. Ce que vos, ce que vos ancêtres ont fait dans, vos, dans, dans leur vie, qui est encore attaché à votre vie. C'est pour ça que vous n'évoluez pas. Tu cherches un mariage et tu n'as pas le de mariage. Depuis des années, tu vois, toute ta génération, toute ta famille, tous tes frères et soeurs sont à la maison, dans la maison familiale. C'est pourquoi C'est pourquoi C'est parce qu'il y a les réclamations dans vos familles, il y a des mauvais hôtels qui ont été régés dans vos familles. Et c'est ça qui parle contre votre vie. C'est ça qui parle contre votre destinée. C'est pour ça que vous n'évoluez pas. Continuez à me mettre des, 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 des cœurs. Continuez à me mettre des les cœurs. On continue à avancer. Sinon, cette vidéo peut s'arrêter. Continuez à me mettre des cœurs, qu'on continue à avancer. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, vous n'évoluez pas dans votre, dans votre vie. Il y a des réclamations familiales. Vos ancêtres ont fait des choses à d'autres personnes qui ont gardé ça dans leur cœur, qui ont gardé rancune. Et c'est c'est à cause de ces réclamations dans votre famille que vous êtes en trois au niveau que vous êtes là. À cause de ces réclamations là, ces personnes ont maudit votre famille parce que peut-être ton ancêtre a peut-être tué un, un membre d'une famille. C'est comme ça qu'on maudit ton ancêtre et ça passe jusqu'à la génération future. Toute votre génération comme ça est attachée à cause de cela. Et pour cela, pour que vous puissiez évoluer dans votre vie, vous devez découvrir de tout cela. Vous devez vous délier de ces, de ces, de ces, de ces liens-là. Vous devez vous délier de ces réclamations familiales dans vos vies. Ce qu'il faut même aussi faire, c'est demander même à vos mères, à vos, à vos parents, papa, pourquoi telle choses ne donne pas dans notre vie Pourquoi nous, nous sommes toujours à la maison Pourquoi nous avons accouché avec des pères différents, avec des hommes différents Pourquoi on passe le temps à nous tromper pourquoi on couche avec plusieurs hommes, on ne se marie jamais Pourquoi on ne vient pas aussi me de demander un mariage Pourquoi je n'arrive jamais à faire mon mariage Pourquoi quand un homme entre dans ma vie, il a, la personne part dans ma vie Pourquoi quand je décide de construire quelque chose, on vient voler Pourquoi quand je décide d'être de, 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 avec un homme, on vient prendre l'homme la part Pourquoi il me fuit Pourquoi je n'arrive pas à me marier Pourquoi quand je mets un business en place, ça, ça tombe toujours Pourquoi cela. Posez-vous des bonnes questions dans votre vie. Posez-vous dedans. Chaque famille à ça. Il faut qu'on qu se dise la vérité. Dans chaque famille, il y a ça. Dans chaque famille, il y a quelque chose qui est attaché à votre famille. Vous allez voir peut-être dans, dans l'autre famille. Chez nous, c'est peut-être le mal des yeux. Beaucoup de personnes dans nos familles ont des mal dessus. Vous voyez Dans chaque famille, il y a des choses qui font que beaucoup d'enfants n'évoluent pas. Il y a d'autres qui cherchent des enfants depuis des années. Vous cherchez des enfants depuis des années, depuis des années, mais rien n'arrive. Rien n'arrive. Vous êtes marié peut-être, mais vous cherchez des enfants. Rien n'arrive. Vous voulez même travailler, mais vous n'arrivez pas à travailler dans vos vies. Pourquoi cela arrive À cause des réclamations qui sont sur votre vie, à cause des réclamations qui sont dans vos familles. Demandez à vos mères, demandez à vos parents, demandez à vos grands-mères. Pourquoi il y a cette chose-là qui n'arrive pas Il y a dans certaines familles, d'autres, on va dire que le premier-né, quand une femme va accoucher, son premier enfant meurt d'abord, avant que les autres continuent. Ses parents, ses grands-parents, peut-être, ont fait un pacte avec le diable pour que ces premiers-nés de la famille meurent d'abord, avant que les autres avancent. Il y a beaucoup de réclamations dans vos familles que vous ne savez pas. Vous allez constater d'autres personnes, d'autres personnes dans leur famille peut-être la maman a fait a fait des pactes avec, avec le diable peut-être. Ses enfants doivent chaque fois coucher avec avec le diable. Vous voyez un peu? Regardez un peu ça. Comment une maman peut faire des pactes comme ça? Il arrive peut-être elle était submergée, elle ne savait pas quoi faire, pas, pas une situation. C'est comme ça qu'elle avait voir un féticheur, elle allait voir un marabout. Sachez que quand vous partez voir des féticheurs ou quand vous partez voir des marabouts. C'est comme ça que vous attachez ces liens-là qu'on donne, que, vous, que, que les marabouts prennent. Donc ils prennent. Au de mettre quelque chose, il y a des blocages souvent dans nos vies. Et oui, et oui, Kabanane. Au d'enlever ce que vous venez demander à ce marabout-là, il met plutôt quelque chose dans votre vie. Il augmente, il accentue cette chose dans votre vie. C'est comme ça que quand vous le levez, vous vous levez pour évoluer, pour avancer dans votre vie. Vous n'arrivez pas à avancer. Parce qu'il y a ces réclamations-là, parce qu'il y a ces blocages-là dans votre vie. Vous devez en découdre de cela. Vous devez en découvrir. C'est pour ça que les choses n'avancent pas dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore regardé ça ce cet angle-là. Peut-être que tu t'es pas encore demandé que, mais, pourquoi telle peste? Pourquoi dans ma famille, il y a telle chose Pourquoi dans ma famille, il y a toujours les plaintes Il y a peut-être les, les, les couches de nuit chaque fois quand je dors. Peut-être qu'il y a toujours les vocations dans, 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 dans les rêves, peut-être. Quand tu dors, tu, te, tu rêves que tu es marié à une autre personne dans les rêves. Tu rêves que tu es en train de coucher à une autre personne. Il y a tout cela dans votre famille, dans vos familles. Et vous devez savoir. Comment ça marche et vous devez en découdre de cela dans vos familles sinon vous n'allez jamais évoluer dans votre vie. Je vous dis vous allez toujours stagner vous allez mourir comme ça parce que tout cela, tous les grâces que Dieu a mis. Quand on est, il faut qu'on soit, vous soyez clair. Quand on est, si la personne, les qui sont chrétiens là, vous pouvez me en commenter ça. Quand on est, on a des grâces. Il y a un plan que Dieu a mis sur notre vie. Il y a un plan que Dieu a mis dans notre vie. Celle la prière libère. oui Kamala. seule la prière libère. Il y a un plan qu'on a mis dans notre. Dieu a mis dans un plan, Dieu a mis un plan dans chaque vie. Nous avons les grâces que Dieu a mis dans notre vie. Et Dieu renouvelle ces grâces tous les jours. Mais quand le diable a quelque chose qui est arrêté, donc qui qui passe passe par, ce, par cet acte-là, c'est ça qu'il prend pour vous par, pour parler contre votre vie. C'est ça qu'il prend cet acte que votre votre, euh, votre ancêtre a fait. Il se sert de ça pour venir pour venir détruire votre vie. et se sert de cet acte-là pour venir parler mauvais, pour venir mettre des plans, des, des plans, des, euh, ériger des plans dans votre vie qui vont faire que vous allez toujours échouer. Vous allez toujours échouer. Votre, vous n'allez plus... Vous n'allez pas arriver à atteindre votre destin. Vous n'allez pas arriver à entrer dans votre destin réellement. Chaque enfant de Dieu a un plan. Chaque enfant de Dieu a un destin. Chaque enfant de Dieu est né pour quelque chose. Oui. Mais vous n'arrivez pas à cela vous mourrez comme ça, à cause de ça à cause de ces blocages qui sont dans vos familles, à cause des, des manipulations qui sont dans vos familles, à cause des réclamations que donc, qui sont dans vos familles. Ce qu'il faut faire, c'est faire un jeûne, une prière pour briser tout cela. Briser tout ce que vos ancêtres ont fait, que ce ne soit plus attaché dans votre vie. Je vous dis, vous allez voir des, des miracles dans votre vie. Vous allez voir des miracles dans votre vie. Peut-être dans votre famille, c'est vous qui devez venir libérer votre famille. Peut-être dans votre famille, c'est vous qui devez vous lever, être le Moïse de votre famille. Vous ne savez pas ça. Si tu écoutes cette, si tu écoutes cette aujourd'hui là, sache que tu peux être le Moïse de ta famille en, dé, en, en déliant tous ces liens là, tous ces mauvais liens qui ont été faits dans votre famille, en déliant tous ces, tous ces, tous ces, tous ces esprits ancestraux qui parlent contre votre vie. Vous voyez, dans certaines familles, il y a ces esprits ancestraux qui parlent contre vos femmes contre votre vie. Ils sont attachés, ils vous empêchent d'avancer. Ils vous empêchent d'avancer, ils vous bloquent parce que vos familles ont fait des pactes avec eux. Vos familles ont fait des pactes avec eux. Et ça va suivre, ça suit la, ça suit la génération finie. Tu, même, ton, même si ton ancêtre est mort, ça va suivre ses enfants. Parce que c'est un pacte. Quand un pacte est là, seule la prière, seul Dieu peut délire ce pacte qui a été fait avec le diable. C'est pour ça que les choses n'évoluent pas dans votre vie. Et vous devez savoir ça. Donc, l'action que tu t'as faire aujourd'hui, c'est regarder un peu dans ta famille. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille? Fais un peu une étude. Tu dis que, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ma famille? Quand vous allez faire cette étude-là, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans vos familles? Vous allez regarder le problème et quand vous, allez regarder, quand vous allez regarder le problème pourquoi ça ne marche pas dans votre famille vous allez voir que c'est cela que vous allez combattre contre ça vous allez vous placer dans la prière pour combattre contre cela et vous allez voir d'ici d'ici quelques mois si vous avez vraiment fait ce qu'il faut les actions qu'il faut d'ici quelques mois vous ne serez plus train, les choses vont évoluer vont commencer à évoluer dans tout je connais beaucoup de familles qui ont fait ces jeunes là qui ont fait ces prières là beaucoup de choses évoluent dans leur vie je vous donner un exemple le, du livre que, je, que je, je lis actuellement, Le pouvoir doit changer de camp. Le pasteur Gaston, le pouvoir doit changer de camp. La personne qui a déjà lu ce livre-là peut me mettre en commentaire. Ils vont savoir, vous allez savoir la puissance de ce livre. Le pouvoir doit changer de camp. Je vous envoie, lit ce livre-là, du tome 1 jusqu'au tome 10. Vous allez voir les choses dans vos familles. Ça va se révéler au fur et à mesure, dans vos familles. Vous allez voir les têtes vont tomber. Les choses vont se, ré, vont se résoudre. Et vous allez comprendre que qu'on sortit de ça. Au sorti de, de ce problème, au sorti de ce jour-là, au sorti de cette lecture-là, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vous allez commencer à prier. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui brille. C'est celui-là qui brille. Non, on va dire que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on continue toujours dans la même chose. Non. Vous devez vous placer puissamment dans la prière pour, pour délier tout cela. Vous devez vous placer là comme les Moïse. Non. Non. Si vous ne faites pas ça dans votre vie, vous allez voir beaucoup de choses continuer. Et ça va prendre vos enfants. Comme ces choses-là n'ont pas marché dans votre vie. Ça va continuer à ne pas marcher sur votre génération future. Vos enfants, ça va prendre vos enfants. Ça va prendre votre génération future, de génération en génération. Mais si vous placez là comme la musique dans votre famille et vous découvrez avec tous ces liens-là qui ont été faits dans votre vie, vous allez voir que vous allez commencer à évoluer. Partagez-moi cette vidéo. C'est très important que beaucoup de personnes se connectent à cette vidéo. J'espère que vous avez déjà partagé. Là, je ne vois pas de partage. Je ne vois aucun partage. J'espère que vous avez déjà partagé. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu doivent se connecter avec cela. On ne doit pas vivre comme ça. Comme si nous sommes des aveux, qu'on ne pas vivre comme s'il si n'y a pas un Dieu qui a créé le ciel et la terre. On doit savoir ça. Il y a un Dieu là, il a créé le ciel et la terre. Il nous a donné toutes les âmes pour qu'on puisse être vivre en paix. Il a mis son fils Jésus-Christ à mort. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous soyons libres. Donc, nous devons savoir que nous avons un héritage. Vous avez un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Prends ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Obtiens ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et ça se passe aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Le changement de mentalité, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Amen. S'il te plaît, donne-nous le titre du livre. Le titre du livre, c'est Le pouvoir doit changer de camp, du pasteur Goldstone. Le pouvoir doit changer de camp. Si vous voulez ce livre-là, vous pouvez même écrire en commentaire. Je peux vous mettre en contact avec la personne pour que vous puissiez avoir ça en PDF ou bien en livre directement. Au, au Cameroun, c'est 2500. 2500 au Cameroun. En Afrique, là-bas, c'est 2500 seulement. Tu prends un livre à 2500, ça change toute ta génération. Toute ta génération. Je vous dis parce que je suis en train d'expérimenter cela. Ça change toute ta génération. Un seul livre. Tu prends jusqu'au tome 10. Un seul livre change toute ta génération. Je viens de partager. Ok, merci. Merci Rachou, merci d'avoir partagé. Voilà alors un point qui est vraiment très crucial. Très crucial, qui est les recommandations dans les familles. Très crucial. Prenez un cahier, un bique, vous regardez toutes les, les, les choses qu'il y a dans vos familles qui ne marchent pas. Regardez toutes les choses dans vos familles qui ne marchent pas. Écrivez tout cela, même dans votre propre vie. Écrivez toutes les choses dans votre propre vie qui ne marchent pas. Qui ne va pas en concordance avec un enfant de Dieu, écrivez tout cela. Faites-moi des coucous, Faites mettez-moi des cœurs et des likes pour que la vidéo ne s'arrête ne pas. Il y a d'autres là qui vont venir dire, oh non, autre, ce que tu dis, ce que tu dis. Et ils vont faire que la vidéo s'arrête. La vidéo ne peut pas s'arrêter. On va continuer à avancer. Nous devons apprendre. Nous devons ouvrir nos yeux sur certaines choses dans la vie. Je veux le livre. Ok. Écris-moi. Nous devons ouvrir nos yeux sur certaines choses. Waouh, super pour le livre. Waouh, super pour le livre. vous devez ouvrir nos yeux sur certaines choses dans la vie. Nous devons savoir qu'il y a certaines choses qui parlent contre notre vie. Tu n'arrives pas à évoluer. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Donc, continue à partager. Ingrid. Continuez à partager tous ceux qui sont en train de m'écouter. coter. Continuez à partager. Et encore, sur l'autre point qui fait que vous n'évoluez pas dans votre vie. Voici un autre point qui fait que vous n'évoluez pas, ce sont les liens d'âme. Ça fait que vous n'évoluez pas. Les liens d'âme, c'est quoi en fait ici Moi, je vais parler les liens d'âme sur ce qu'on a fait, ce qu'on a sorti de notre bouche. D'abord, d'un, ce qu'on a fait avec d'autres personnes. Les petites amies. Faut qu'on se dise, la vérité. les petites amies, les relations qu'on a eues avant, peut-être, ces choses qu'on a dit de notre bouche, je vais toujours t'aimer toute ma vie. Vraiment. Ce qui sort de votre bouche, ça prend vie. Ce qui sort de votre bouche prend vie. Vanel, Didi, yes, yes. OK, bonjour Vanel, j'espère que tu vas bien. partager mes amis, partager Ce qui sort de ta bouche, ça prend vie. Si tu as déjà une personne que je vais toujours t'aimer toute ma vie, j'ai partagé, les dit, oh merci. Si tu as déjà une personne, je vais toujours t'aimer toute ta vie. Ça a pris vie. Hein. Tu as dit à cette personne-là, la personne est partie. La personne est partie. Il est parti de ta vie, mais tant tu as vu une autre personne. Tu ne peux pas avancer dans, la vie, dans ta vie de couple. Parce que tu n'as pas tu as pris ce lien-là. Ce lien-là avec cette personne que tu as dit, je vais t'aimer toute ta vie, je vais t'épouser. Ce que tu as dit, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Ça a pris vie dans le monde spirituel, vous ne le savez pas. Ça a pris vie. Et dans ta vie de couple maintenant, tout, il y a tous les problèmes, tous les problèmes du monde dans ta vie de couple. Tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari, tu n'arrives pas à t'entendre avec avec ton époux. C'est à cause de ce que tu as dit dans ta bouche. Tu n'arrives même pas à te marier. Peut-être tu es dans le confraternité, là présentement, mais tu n'arrives même pas à te marier parce qu'il y a encore des liens dans ta vie qui sont attachés à ta vie. Tu as couché peut-être avec des, des des petites amies, avec des hommes qui avaient des mauvais liens dans leur vie. Quand tu couches avec ça, c'est que quand vous entrez en communion avec une personne, la communion n'est pas seulement devant l'église, on prend la bague, mais non. Surtout quand vous passez à des rapports sexuels avec cette personne-là. Vous avez eu ces, ces rapports sexuels avec ces hommes-là. ils ont mis certains choses dans votre vie, dans votre âme. Vous portez cela. Coucou Audrey, vérité Audrey. Oui, c'est la vérité. Et beaucoup de personnes n'en parlent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. C'est pour ça qu'il faut qu'on partage ces vidéos, ces vidéos au maximum. Ces personnes-là qui sont en train de souffrir dans leur vie, souffrir dans leur mariage, rien n'évolue dans leur vie. Vous allez comprendre que chaque fois, quand il veut commencer, peut-être, un homme, quand il veut commencer à, à évoluer, il veut commencer à construire sa vie, il veut commencer à entrer en mariage avec une femme, il veut commencer à, il veut commencer à construire sa vie, à construire une entreprise, rien n'évolue. Ça échoue toujours. Accident sur accident, accident sur accident, dans sa vie, accident dans sa famille, accident dans sa famille, ce sont les liens d'âme aussi. Partagez au. Ok, ok, Florette. Ce sont les liens d'âme dans sa vie. Tout ça, on doit lier les ces liens d'âme-là. Tu as couché avec plusieurs hommes. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Délis cela. Ce que tu as dit de ta bouche, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Enlève cela dans ta vie. Enlève cela. Place-toi en prière puissamment et combat contre toutes ces choses que tu as dit. Que tu as dit. Que tu as dit dans la dans, avec ta bouche. Ça a pris vie. Ça a pris vie. Tu as dit à 10 personnes que je vais tout aimer dans toute ma vie, de me marier avec toi. Ça n'a pas donné. Tu es parti d'un autre homme. Ça n'a pas donné. Tu es parti d'un autre homme. Donc tu as peut-être six, dix liens dans ta vie comme ça qui t'empêchent d'avancer. Tu ne connais pas ce qui était dans sa vie, les liens qu'il avait dans sa vie, tu ne connais pas. Tous ces liens-là se sont transmis. Tous ces liens-là se sont transmis. Il faut rompre avec tous les liens avant de se marier. Eh oui, Manou! Il faut lien, il faut, il faut rompre avec tous ces liens-là. Manou, Bijou bonjour. Il faut, il faut rompre avec tous ces liens-là avant de se marier. Vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore commencé cette euh, prière, ce brisement. Commencez ça avant de vous marier. Vous avez préparé votre mariage. Vous savez pas qu'en préparant votre mariage, c'est ça qui peut, qui peut en découdre la rupture de votre mariage, la rupture de tous ces petits copains-là dans vos vies. C'est à cause des liens d'âme. Tu as déjà une personne, veux-tu vous toute sa vie Il a pris ça, hein Il a pris ça, il attaché à ça. Son esprit a attaché ça. Ça a pris vie dans le monde spirituel. Hein? Ça a pris vie dans le monde spirituel. Et c'est comme ça là que ça parle contre ta vie. C'est comme ça que ça parle contre ta destinée. Et vous allez vous demander pourquoi les choses n'évoluent pas dans votre vie. C'est à cause de ça. C'est à cause de ces liens-là, dame. À cause de ces liens-là, dame qu'on a fait avec plusieurs hommes-là. Arrêtons tout cela. Recadrons les choses. Si tu veux que les choses évoluent dans votre vie, vous voulez être élevé, vous voulez avoir des, 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 des vies, des, des bonnes vies, vous voulez être vraiment un enfant de Dieu. Et en découdre avec cela, vous voulez être vraiment un enfant de Dieu. découdre avec tout cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah oui, Vanel. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut faire des prières pour en découdre avec cela. Tu as dit à plusieurs amis, à plusieurs hommes, commencez à faire des prières, des brisements. Des prières violentes. Pas les choses que vous placez là. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mis cela. Mon Dieu, je te dis, je ne vais jamais faire. Eh? L'esprit l'a en train de regarder, il Il dit y a, elle a en train de briller quoi comme ça. Eh, cela n'a pas effet. Cela n'a pas effet cette prière-là. Tu dois être violente. Tu dois être violente. Sois violente. C'est ta destinée qu'il s'agit, non C'est de ta destinée qu'il s'agit. Sois violente. Secoue. Secoue le monde spirituel. Vie. Oui. Secoue le monde spirituel par tes prières. Jusqu'à ce que, quand un diable va encore passer, un agent du Satan va encore passer là pour vouloir entrer dans ta vie, il va dire Hé, hey, elle est où, par le Saint-Esprit Je ne peux plus. Cet enfant est où, je ne peux pas entrer dans sa vie. C'est comme ça qu'il va se placer là. Il va sortir. Il va sortir. Il ne va pas pouvoir entrer. Une vraie préparation au mariage, c'est dans la prière. Oui il va sortir, n'entrez pas dans, la, dans le mariage aveuglément comme je suis entrée. Je vous dis, je vous parle en vérité. Moi, je vous dis, je vous dis toujours des vérités. Je suis entrée dans le mariage, j'étais aveugle, je ne savais pas certaines choses. Et j'ai vécu beaucoup de choses dans mon mariage. C'est quand j'ai su ces vérités-là que j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai commencé à reconstruire ma, mon, mon avenir. J'ai commencé à reconstruire mon cocon. Une femme, son cocon, c'est sa, sa maison, c'est son mariage. Ce sont des nuits blanches sans, oui, je passais des nuits blanches sans dormir. Je pleurais même tous les jours. Parce que je ne savais pas. Je n'avais pas la connaissance. Et je ne priais mal. Je priais mal. Je priais comme si je baissais un peu le diable, là. Comme si je baissais le monde spirituel. Ce sont les violents qui possèdent leur destinée. Écrivez-moi ça là-bas. Ce sont les violents qui possèdent leur destinée. Tu vas baisser le Saint-Esprit. Tu vas baisser, tu vas baisser, euh, le diable. Qui a dit ça? Ne venez pas ici pour baisser le diable. Vous allez chouer. Nous devons détruire ces liens d'âme pour la prière de combat. Merci, autre. Et de rien. Ne berçons pas le diable, ne berçons pas le monde spirituel jamais, jamais. Tu vas entrer dans, tu vas entrer dans ta destinée. Oh, sois violente dans la prière, sois violente dans la prière. Prie stratégiquement, belle révélation. Merci est dit de rien. Tu pries stratégiquement, sois stratégique dans tes prières. Il dit, sois stratégique dans tes prières. Nous ne sommes pas seulement là pour apprendre le business, pour apprendre le, le, le business dans nos vies, pour apprendre comment avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent quand, quand tes yeux sont fermés. Tu ne verras jamais l'argent, la dimension que Dieu t'a appelé pour avoir son argent. Tu n'auras pas. Qui a créé l'argent dans ce monde ici Qui a créé l'argent C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'argent, non En tant qu'enfant de Dieu, tu vas avoir véritablement. Tu veux vivre véritablement en tant qu'enfant de Dieu et avoir tout, tout ce que Dieu t'a donné dans ta vie. Et avoir tout cet argent-là que tu estimes, que tu veux tant-là. Tu dois en découdre avec tous ces liens-là. Tu dois en découdre avec tous ces liens-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Business, 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 entreprise, 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 entreprise. Si toi-même, tu n'es pas profondément dans ta vie, tu n'es pas encore euh, guéri. Tu penses que c'est là, tu auras l'argent que Dieu t'a prévu pour toi. Parce que quand tu vas voir cela, Dieu va te donner des grâces. Ils vont bloquer cela. Parce qu'ils ont de quoi parler contre ta vie. Ils ont des choses que tu as parler. Ils parlent devant Dieu comme ça. Ils disent Voici ce que tu dis. Euh, voici, je prends l'exemple. Ta fille Audrey dit qu'elle veut des grâces, à prie tous les jours. Mais regarde ce qu'elle a fait dans sa vie. Moi, je me sers de ça là. Pour parler contre sa destinée, je me sers de ce qu'elle a fait là pour parler contre sa destinée. Soit violente, oui, je me sers de cela pour parler contre sa destinée. C'est comme ça. sers de cela, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer si toi-même tu ne délires pas cela de ta bouche. Comme tu as maudit ta ta vie, bénis maintenant ta vie. Bénis maintenant ta vie. La vraie destinée, c'est la prière. Oui, bénis maintenant ta vie comme tu as bondi ta vie. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Disons-nous les vérités. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Vous devez chercher la face de Dieu. Vous devez chercher la face de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez chercher la face de Dieu pour que l'ennemi n'a plus de quoi parler contre votre vie. Pour que l'ennemi n'a plus une base sur laquelle une base légale. Sachez que l'ennemi a une base légale sur laquelle il vient vous faire des choses. Si tu n'as si tu n'avais pas fait sorti de ta bouche, il ne devait pas avoir cette base légale pour venir parler contre ta vie. Il devait pas avoir cette base légale pour venir parler contre ta vie. Mais comme tu as sorti de ta bouche, tu as dit à plusieurs dix copains, je t'aimerais toute ma vie. Il prend de cette base cas là pour parler contre ta, contre ta destinée. Voilà, dis, 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 dis choses que tu dois découvrir dans ta vie. Dis liens que tu dois briser. Faites une liste. Faites une liste, en fait. Voilà les exercices que vous donne en tronc. Audrey comme tu es, un, tu es très intelligente. Merci beaucoup, Gamana. Faites une liste de tous ces copains avec qui vous avez fait, vous avez eu à parler. Avec qui vous avez eu à parler, à, à, à dire des, 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 des paroles douces. Oh, je vais tout aimer toute ma vie. Je vous dis parce que moi, moi j'ai fait. Dans la vie, on est inconsciente. Quand on est, on est inconscient, on évolue dans la vie. Comme ça, on se dit que, oh, oh mon copain, je t'aime. Toute ma vie, je vais me marier avec toi. Je vais toujours t'aimer. Je vais toujours... Ah, après ça change, non. Les choses évoluent, non. Vous vous rendez compte que vous, de là, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et tu avances dans ta vie. Tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as dit ça et tu penses que tu te dis, tu as oublié, tu passes à autre chose dans ta vie. Tu as oublié, tu veux évoluer dans ta vie, mais c'est ça qui te bloque. Tu n'arrives pas à trouver un mari parce que ton âme est attachée à l'âme de cet homme-là. Ton âme est attachée à l'âme de cet homme-là. C'est pour ça qu'il te réclame. Même dans le monde spirituel, il te réclame. Il te réclame tout le temps. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te marier. Disons-nous les vérités aujourd'hui. Disons-nous les vérités. Il faut prier pour ses enfants avant de, de les avoir et même avant de Oui! Le Vanel enfin dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous devons arracher ce que le diable nous a volé afin d'amener à, à, à manifestation le règne dans nos vies. Oui, Vanel, tu as bien compris. Tu as bien compris. Beaucoup de personnes ne savent pas encore cela. Beaucoup de personnes ne savent pas encore cela. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez essayer de que les autres se connectent à cette vérité. C'est pour ça que je vous demande de partager. Pour que plusieurs personnes se connectent et changent leur façon de voir les choses, leur perception. Ils ne savent peut-être pas qu'il y a ces liens dans leur vie. S'il vous plaît, permettez à toutes ces personnes de se connecter en partageant ces vidéos. Que ce soit dans vos groupes WhatsApp, que ce soit dans vos familles. Partagez cette vidéo. Vous ne savez pas ce que ça peut faire à un enfant qui manquait. Une Donc, c'était seulement cette type-là qu'il y avait, qui manquait dans sa vie pour pouvoir être, pour pouvoir comprendre les choses dans sa vie. Vous devons délier ces liens d'âme dans, dans nos vies. Donc quand je, parle, je, je vous prends encore un autre exemple quand il s'agit peut-être des fautes que vous avez commis je vous prends un exemple de quelqu'un qui se dit peut-être tu as en relation peut-être un ami tu, tu avais une meilleure tu as une meilleure amie peut-être non et tu commis une faute envers elle vous vous séparez comme ça dans de mauvais termes comme ça et tu te dis que c'est là et tu te dis que non c'est fini comme ça parce que tu t es séparé tu ne sais pas ce qu'elle a prononcé contre ta vie voilà, tu vois, c'est à tout dit, je me reconnais dans ceci. Voilà. Partagez à plusieurs personnes pour que plusieurs personnes puissent se reconnaître et changer leur façon de faire les choses. Vous voulez, vous avez peut-être, euh, vous êtes peut-être séparé avec une amie que vous aimez beaucoup dans votre vie, peut-être. Vous aimez, donc vous avez fait des liens, vous avez dit, oh, mon ami pour la vie, peut-être. mais c'est pour l'information. OK. Vous avez dit peut-être, mon ami pour la vie. Mon ami pour la vie. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Vous avez dit vous dans votre vie. Vous avez dit, vous avez sorti de votre bouche, hein. Puisque tout à la parole, la vie et l'amour à la parole, vous avez sorti de votre bus que Mon ami, pour la vie aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Vous, avez, vous, êtes, vous, aidez, vous vous détestez même peut-être. Elle a prononcé des paroles maudites contre ta vie. Elle a prononcé des paroles contre ta vie. Et c'est ça qui est en train de parler dans ta vie aujourd'hui. En découdre avec cela. Déliez cela dans votre vie. Déliez cela. Ce que vous devez faire, vous devez faire une prière, une prière violente pour délier cela dans votre vie. Prière violente pour délier cela dans vos vies. Mettez-moi des cœurs. Des cœurs. Continue à mettre des cœurs en avant, sinon la vidéo va s'arrêter. Vous devez délier cela dans vos vies. Vous avez fait peut-être des, des actes. Vous pensez que les gens, vous pensez que cet acte-là arrêté là. Je connais certaines familles là où le père, peut-être, le père a... Je suis intéressé par le livre, comment puis-je faire pour l'avoir S'il te plaît, écrivez-moi en inbox. Je vais prendre, je vais vous dire comment vous pouvez faire pour l'avoir. Ça ne coûte que 2500, un tome. 2500 francs, CFA, un tome. En dollars, c'est peut-être 3 ou 5 dollars, je ne sais pas. 2500 francs, les 10 tomes. Vous avez les 10 tomes, vous prenez les 10 tomes, vous commencez à, à parler sur votre vie. Premier tome, deuxième tome, jusqu'à ce que ça finisse. Je vous dis, vous avez besoin du savoir. Vous avez besoin d'entrer dans cette, de, de, de connaître, d'avoir cette connaissance-là pour changer les choses dans votre vie. Ainsi qu'au Cameroun. Là, je comprends pas ta question, Manon. Vous avez besoin de ça pour découvrir et avancer dans vos vies. Les liens d'âme. Les liens d'âme avec plusieurs personnes. Même, je prends l'exemple les des personnes qui ont couché avec des, des hommes mariés dans leur vie. Ça peut arriver. Je suis pas là pour juger quelqu'un. Ça peut arriver. Mais vous devez délier cela. Vous, devez, peut vous avez peut-être fait peut mal avec cette femme -là, avec, à cette femme-là. Elle est en train de pleurer. Elle pleurait tous les jours parce que vous êtes vous avec vous avez son homme. Délier cela dans vos vies délier cela vous avez fait pleurer une femme elle a maudit votre vie vous n'arrivez vous n'allez jamais avancer vous n'arrivez pas à avancer et je vous dis si vous n'arrivez pas à délier cela ça va toujours continuer à, à rester dans vos vies sans vous mentir il faut qu'on soit vrai je veux pas vous je veux pas apprendre quelqu'un dit que non dis moi ce que tu as fait dans ta vie non je le veux au cameroun aussi au cameroun vous aurez les contacts il n'y a pas de souci vous aurez les contacts pour cela vous, vous m'écrivez juste quand vous faites comme ça Raison pour laquelle nous devons créer, sans Oui, Quand vous faites comme ça, prenez un cahier. L'exercice que je vais vous donner aujourd'hui, vous devez prendre un cahier. Prenez un cahier, vous écrivez tout ce qui ne marche pas dans vos familles. Vous écrivez tout ce qui ne marche pas dans votre vie. Vous écrivez, vous écrivez tout ce que vous avez fait. Et demandez au Seigneur de vous révéler. Parce que le Saint-Esprit peut vous révéler. Nous avons tout cet esprit-là. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons tout cet esprit-là. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Même ce que vous n'avez pas, vous ne savez plus, que vous avez oublié. Même les noms des personnes avec qui vous avez couché, vous avez oublié. Demandez au Saint-Esprit de vous... De vous de donner ces noms-là, de vous révéler tout cela. Ce que vous avez fait dans votre passé, vous ne vous rappelez pas. Demandez au saint de vous révéler cela et vous, et vous délier tous ces liens-là. Vous devez délier cela. C'est que vous n'avez jamais avancé. Vous n'avez jamais évoluer. Je vous dis, j'ai expérimenté cela dans ma vie. Vous n'avez jamais évoluer si vous ne faites pas ces gens de prière-là pour briser ces liens, pour briser tous ces, tous ces, tous ces, tous ces mandats que, que l'ennemi a fait contre votre vie. Vous n'arrivez pas à faire cela. C'est fini. C'est fini dans vos vies. C'est parti comme ça. Vous allez mourir comme ça, triste. Peut-être seul même. Peut-être même sans enfant. Parce qu'il y a d'autres qui ont les attachés ils ne peuvent jamais avoir des enfants dans leur vie. À cause de ce que leurs ancêtres ont fait. Vous pouvez, sachez que vous pouvez délire à cause euh, des fautes de vos ancêtres. Et oui. Vous pouvez dire, stop, je n'appartiens plus à ça. Je n'appartiens plus aux fautes de mes ancêtres. Je n'appartiens plus euh, à, à, à ces liens-là que mes ancêtres ont fait avec le diable. Vous pouvez faire cela. Vous pouvez dire, stop à cela vous-même. Vous avez votre, main, votre destinée à main vous pouvez dire stop à cela Dieu va comprendre vos prières et les choses vont commencer à évoluer dans votre vie je vous dis, faites cela d'ici trois mois vous allez venir m'écrire sur ce, cette page vous allez même m'envoyer un email vous allez me dire que ça a changé les choses dans votre vie prenez le livre là, vous lisez, vous allez me dire les choses vous allez venir me dire les choses, ça va changer les choses dans votre vie et dans votre famille tout entière parce que ces livres là sont pour toute la famille pour toute la famille soyez des Moïse dans votre famille apportez la lumière dans votre famille. Nous sommes des, des enfants. Nous, sommes, nous devons apporter la lumière dans nos, dans nos familles. Apporter la lumière dans vos familles. Soyez ces personnes-là qui venez parler. Vous parlez de la parole de Dieu constamment. Constamment. Vous ne devez pas être seulement là pour prier seul et dans votre Non. Parlez constamment. Si une personne vient dans, après, auprès de vous, 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 euh, vous dites que bon, je souffre, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Bon, Dites-lui que la seule solution d'abord, c'est de prier. D'abord prier. D'abord demander pardon à Dieu. D'abord, être reconnaissant même pour ce que Dieu nous a donné. Il y a souvent, là, je me place là, dans ma chambre, je, je, je suis juste reconnaissante. Je, suis juste, je remercie Dieu. J'ai trois enfants. Beaucoup de personnes n'ont pas trois enfants. Je remercie Dieu pour cela. J'ai marié qui même. Beaucoup de personnes n'ont pas. Beaucoup de personnes sont tapées dans leur maison. Beaucoup de personnes sont insultées. Beaucoup de personnes. Je remercie pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Juste pour ça. Vous, vous, vous commencez à prier, à, à chanter, juste pour rendre grâce à Dieu et délier tous ces tous ces liens là les réclamations là les liens dâme là délier cela je vous dis c'est beaucoup c'est pour ça que beaucoup de jeunes filles ne se marient pas beaucoup de jeunes filles ne se marient pas aujourd'hui à cause de ça et elles prennent, et elles partent dans la prostitution elles partent dans le elles partent chercher les sous parce qu'elles se disent pour eux c'est fini dans ce monde pour eux c'est fini dans ce monde comme ça l'audience en train de baisser continuez à partager pour que les gens puissent se connecter elle dit pour elle c'est fini dans ce monde aussi comme ça parce que personne aucun homme ne m'a accepté aucun homme n'a accepté il y a une famille que j'ai vu une famille euh, euh, au Cameroun. Toutes les filles, toutes les filles ne sont pas mariées. Elles ont trois enfants, quatre enfants. Aucune des filles ne sont mariées. Aucune des filles ne sont mariées. Cette maman a quatre filles et les quatre filles sont célibataires. Les quatre filles ont été sont entrées en concubinage avec des hommes, et les hommes là les ont toujours laissées. Même dans le concubinage, les hommes là les ont toujours laissés. Elles ont trois enfants. Elles sont retournées chez leur maman. Pourquoi vous pensez que c'est un enfant de Dieu qui vivre dans la souffrance, dit-vous-même, sachant que Jésus qui s'est mort sur la croix pour nous libérer, sachant que nous sommes déjà libres, vous pensez qu'un enfant de Dieu doit vivre dans ça Non. Il n'est pas dit qu'un enfant de Dieu doit vivre dans ça. Il n'est pas dit qu'un enfant de Dieu doit rester souffrir toute sa vie, souffrir, ne même pas avoir 5 francs pour manger dans sa vie. On doit toujours lui donner. Donner, 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 donner. Non, quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler. Je profite pour vous parler, je ne sais pas pourquoi je vais vous parler de ça maintenant, mais je profite pour vous parler de cette histoire-là d'une de, de mes soeurs C'est comme ça. D'une de mes sœurs que j'aimais beaucoup. Elle était comme une grande sœur pour moi. C'était en fait ma cousine, mais elle était comme une grande sœur pour moi. Elle, elle a toujours cherché dans sa vie, elle a toujours cherché l'amour. Elle a toujours cherché l'amour dans sa vie. Elle a toujours cherché l'amour. Elle n'a pas eu cet amour qu'elle cherchait. Elle est morte triste parce qu'elle n'a pas eu cet amour qu'elle cherchait dans sa vie. Vous voyez un peu. Elle a cherché l'amour toute sa vie. Si ça, la, la vie, sa vie était, était, comme ça, était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a cherché l'amour toute sa vie, c'est ce qu'on acceptait dans la famille toute sa vie mais ça n'a pas été le cas. Et elle est morte triste, elle est morte triste. Triste, on va l'enterrer dans quelques, dans quelques semaines. Elle est morte triste. Ça m'a tellement fait, j'étais tellement attristée, tellement, j'ai tellement eu mal. Parce que c'est quand je m'en rends compte que tout ce, tout ce, la, la façon dont elle agissait, c'était juste parce qu'elle voulait l'attention. Elle voulait qu'on sache qu'elle est là, qu'elle existe dans la famille. La façon, tous les erreurs qu'elle a fait, tous les, les actes qu'elle a fait, elle voulait juste qu'on l'aime. Qu'on l'aime, c'est ça qu'on n'a pas pu lui donner. On n'a pas pu lui donner ça, elle est morte comme ça. Elle est morte en détestant la famille. Elle est morte avec la rage dans son cœur. J'espère que par, par la grâce de Dieu qu'elle a pu, au moins, elle a pu, elle a pu délaisser ça avant de mourir. Mais elle était triste. Elle était fâchée contre tout le monde parce qu'on ne l'a pas acceptée. Vous voyez, prenez un peu l'exemple, prenez, prenez un peu dans vos, dans, si vous avez des enfants peut-être, même si vous n'avez pas cet enseignement est très important pour vous, vous avez peut-être, euh, vous voyez peut-être dans votre, un enfant ne fait que commettre des fautes tous les jours, un enfant ne fait que commettre des fautes tous les jours, ne fait que commettre des actes, des actes répréhensibles. Le diable peut même le pousser à le faire. Le diable peut le pousser à le faire pour vous amener à être en colère. Le diable peut vous pousser à vous faire, pour vous amener à être en colère. Et quand vous êtes en colère comme ça, c'est comme ça que vous dites des mauvaises paroles contre vos enfants. Et c'est comme ça que ça t'attache dans sa vie. Toute sa vie, il va vivre seulement parce que vous avez dit cette parole-là. Tu ne seras jamais rien. On connaît plusieurs familles comme ça, des mamans qui ont dit ça dans leurs enfants. Des mamans qui ont dit ça dans leurs enfants. Tu ne seras jamais rien. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'est rien. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'est rien. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'est rien. Donc, il y a des enfants comme ça qui sont récalcitrants. Des enfants qui ne, vous ne savez pas pourquoi ils font certains actes dans la vie. Vous ne savez pas pourquoi, pourquoi cet enfant-là ne fait que, ne fait que commettre ces mêmes erreurs. Vous lui parlez, mais l'enfant ne fait que commettre ça. Vous lui parlez, mais l'enfant ne fait, que, oui, l'enfant dit, je vais changer, mais il ne fait que faire, il ne fait que faire cette faute-là. Il fait tout pour vous énerver. Il fait tout pour vous mettre en colère, pour que vous sortiez cette mauvaise parole. C'est, souvent ces enfants-là ont une grande grâce dans leur vie. Souvent ces enfants-là ont une grande, leur étoile, comme on dit souvent, leur étoile brille vraiment. Ils ont une grande grâce dans leur Ils ont une grande destinée, en fait. Et le diable, le diable se place dans sa vie pour que vous maudissez sa vie. Quand vous maudissez sa vie, c'est comme ça que tout cette destiné là il récupère ça. Je, dis, je suis en train de parler des vérités. Je, dis, je suis en train de parler des grandes vérités dans vos familles, dans vos vies. Peut-être que vous ne prenez pas encore conscience de cela. Mettez-moi des coucous. Faites-moi des coucous. Là. Je ne vois pas que vous êtes en train de suivre. Je ne vois pas des cœurs. Mettez-moi des coucous. Peut-être que vous n'avez pas vu ça dans cet angle-là. Que peut-être l'enfant, ce que l'enfant est en train de dire, hein? Le mot de passe pour les parents au Cameroun et en Afrique, c'est le mot de passe. Hein? Pourquoi Pourquoi peut-être vous ne savez pas. Faites-moi des coucou faites-moi des coucous, faites coucous. Peut-être vous ne savez pas que de, de, de votre enfant qui est recastré dans votre famille, là. votre enfant qui est recastré dans, dans votre maison, c'est parce que peut-être le diable a mandaté pour ça. Il a une grande destinée. Ces enfants qui sont souvent en cancer, ils ont une grande destinée dans leur vie. Ils doivent être des, des grands hommes. Ils doivent marcher avec des rois. Mais le diable vient dans leur vie pour les troubler. Pour que vous puissiez les maudits. Pour que vous puissiez sur vos enfants quand vous maudissez vos enfants, vous sortez des paroles maudites c'est comme ça que ça tâche sa vie, toute sa vie n'est rien il y, une femme, il y avait une femme là dans mon quartier, elle faisait que dire à ses enfants tu ne seras jamais rien, tu es maudit enfant fainéant, 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 fainéant. aujourd'hui l'enfant est vraiment ça hein? aujourd'hui l'enfant est ça peut-être que vous ne savez pas que c'est c'est vraiment très, c'est vraiment je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui parce que le sujet n'était même pas relié à vos enfants mais vous devez savoir cela vous devez savoir, la connaissance, c'est ça, ça qui libère. La connaissance libère. Vous avez peut-être des enfants comme ça, je, vous, vous pensez que non, l'enfant là agit de lui-même. Vous allez dire que pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu ne veux pas écouté. Tu ne même pas écouté. Pourquoi tu es comme ça? Tous les jours, on va te parler. Tous les jours, on va te parler. Tu me quitte là-bas. Ah, fout le camp, fout le camp. Dio. C'est oh. fini, hein? Ce sont ces enfants-là qui sont recalcitrants que vous, dans vos familles. Qui sont, les, qui sont les grandes destinées, qui vont élever votre famille dans, dans, dans votre famille, vous ne le savez pas. Ce sont ces enfants recassants qui vont élever votre famille, vous ne le savez pas. Mais vous avez, vous avez passé par là, le diable va passer par là, pour que vous maudissez ces enfants-là. Et c'est comme ça que c'est fini. C'est comme ça que c'est fini. Vous avez attaché l'enfant avec votre bouche. C'est comme ça que c'est fini. Parents soyez, parents, soyez attention, prenez attention, au Saint-Esprit, oui, ne disons plus certaines choses dans nos enfants. C'est pour ça que je retourne sur le... C'est pour ça que ma cousine, là, c'est dans ça qu'elle a vécu. C'est dans, ce, dans cette chose, c'est dans, dans ce mépris qu'elle a vécu. C'est ça qu'elle a vécu dans sa vie. c'est Ce qui fait que tout ce qu'elle avait, c'était rien du tout. Elle a passé toute sa vie à chercher de l'amour, toute sa vie à qu'on l'accepte. Aujourd'hui, elle est partie comme ça. Comme ça. Ça a du recul que je comprends que tout ce qu'elle faisait, c'était pour avoir de l'attention. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour avoir de l'intention. Et vous devez savoir, vous devez avoir décelé ça dans vos enfants. Sortons de la distraction. Ah oui, sortons de la distraction. Vous devez savoir ça avec vos enfants. Chaque mère, ce que je fais, chaque mai, je vais vous parler, vais parler de ce sujet-là la semaine prochaine. Comment découvrir le talent de ses enfants? Ce sujet-là sera la semaine prochaine. La personne qui veut que je parle de ce sujet-là, mettez-moi oui, 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 en commentaire. Vous voulez qu'on parle de comment découvrir les, la destinée de vos enfants? Mettez-moi ça en commentaire, oui, 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 oui. Et je vais, je vais planifier ça pour la semaine prochaine en direct. Mettez-moi en commentaire, oui, 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 Là, quand je vais voir les commentaires, on va, on va parler, je vais programmer ça pour la semaine prochaine. Comme ça, je vais vous montrer comment décider la destinée de vos enfants. Bon, on va continuer dans ce sujet. Pourquoi vous n'évoluez pas dans votre vie? Voilà. Oui, oui. oui. Mettez-moi en commentaire. Oui. Je ne vois qu'un oui là depuis. Mettez-moi en commentaire. Des oui, des oui, des oui. Et je sais qu'on va, on va parler de ça. Comment découvrir la destinée de ses enfants? C'est très important en tant que maman. Oui, je suis intéressée. OK. Mettez-moi en commentaire. Oui, 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 oui. Et on va parler de ça la semaine prochaine. C'est très important. Nous devons nous libérer. La connaissance libère. La connaissance libère. Il ne s'agit plus de, 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 business. Il ne s'agit plus de non. Vous pouvez avoir l'argent, mais votre femme, votre enfant n'est rien. Vous n'avez pas réussi. Une femme a réussi sur ses pôles. Une femme a réussi sur dans la relation avec son, dans la relation avec son Dieu. Dans la relation avec son mari. Dans la, dans l'éducation de ses enfants. Dans la façon elle, dans, dans la façon dont elle entreprend, dans, elle entreprend, dans la relation avec les autres. Sur ces cinq là tu, tu n'as pas réussi dans ça. Tu n'as rien réussi. C'est ce que je dis. Sur ces cinq choses, tu n'as rien réussi. Si tu es bien, tu es riche. Tes enfants sont rien. Tes enfants sont des cancres. Tu n'as pas réussi dans ta vie. Tu n'as pas réussi. Rien du tout. Tu n'as pas réussi. Si tu es riche et ta relation avec les autres, rien du tout. Ta relation avec les autres n'est rien du tout. Ou bien ta relation avec ton mari, c'est rien du tout. Sachez que les bénédictions viennent dans le mariage. Les bénédictions aussi viennent dans, quand, y a, quand vous êtes mari. Quand vous êtes marié, il y a beaucoup de bénédictions qui viennent aussi. Mais sinon, ton mari te donne que des mauvaises bénédictions dans sa vie. N'allez pas réussir. Si ton mari ne te bénit pas quand tu fais tes choses, vous n'allez pas réussir. Vous ne pouvez pas être en guerre avec votre mari et réussir dans vos vies, dans ta vie business. Non, ça va en découdre. Ça va en découdre. Semaine prochaine encore, oui, oui, ok. D'accord, je, je vais planifier ça pour la semaine prochaine. Ça va en découdre dans ta vie. C'est comme ça que vous allez voir les choses ne pas évoluer dans votre vie. Ici, si je vous ai parlé des liens d'âme qui attachent à vos vies et que vous devez en découdre. Celles qui viennent d'arriver, je vous prie, je vous prie, je veux que tout le monde soit transformé dans la vie. Je veux que tout le monde sache sa destinée, entre dans sa destinée. Je vous prie, ceux qui sont arrivés, de re la vidéo depuis le début. Quand je vais arrêter le direct, suivez vraiment ça depuis le début. Je vous dis, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va vous dire. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit, il y a un message dans ça que le Saint-Esprit va vous parler et vous allez comprendre que ceci-là, c'est ma ceci-là a attaché ma destinée. C'est pour ça que je ne réussis plus. Donc toutes ces personnes là qui viennent en, qui viennent commencer à suivre cette vidéo, prenez ça depuis le début. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez, beaucoup de choses vont se relever dans votre vie. Vous allez comprendre que ça, c'est qui fait que, c'est ça peut-être qui fait que je n'avance pas dans ma vie. Vous allez commencer à découvrir cela. Vous allez commencer à délier ces liens qu'il y a dans vos familles par rapport à cela. Je vais continuer. Maintenant, ce qui fait que vous n'avancez pas dans votre vie, c'est quoi? Ce sont les mauvaises amitiés, le mauvais entourage. Oui, oui, je sais que beaucoup de personnes ici vont me détester. Je sais que beaucoup de personnes ici vont me détester. Le, 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 les cunes prenez le temps d'étudier le Pouvoir 31 dans la Bible. C'est un passage pour la fin. Ah oui, le Pouvoir 31. On va parler de ça plus tard. Les mauvaises amitiés. Le mauvais entourage. Je sais que beaucoup de personnes vont me détester. Je ne veux pas vous amener à, 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 à quitter vos... Je ne veux pas vous amener à quitter vos, vos amis. Hein. Je ne veux pas vous amener à, à vous séparer de vos amitiés. Mais vous devez savoir où vous allez. Quand tu sais où tu vas. Tu connais l'entourage avec qui tu marches. Eh oui. Tant que tu sais où tu vas, tu connais avec qui tu vas marcher. Si tu veux ça, si tu veux que si tu veux marcher avec, si tu, veux, si tu sais que tu pars dans rien du tout, si tu sais que tu pars en, 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 être, euh, être une femme aveugle, marche avec n'importe qui. Ça t'engage à toi. Mais une enfant de Dieu, une, enfant, une femme qui sait où elle va. Une, une personne qui sait où elle va, elle va marcher avec des, des personnes qui sont là pour l'évoluer dans sa vie. Pour lui faire évoluer ton entourage, détermine en fait même ce qu'il y a dans ton compte à battre. Ton entourage détermine quelle femme tu es, quelle personne tu es, ton entourage. Nous sommes dans le mois de la femme. Nous devons apprendre. C'est de décider que ce, ce mois-ci, les lives de ce mois seront puissants. Seront vraiment puissants. Parce qu'on doit entrer dans notre destinée. Les entourages, vous pensez que, vous pensez que ça, ne découle, ça, euh, ça ne découle pas dans votre évolution Oui. Si vous n'évoluez pas, à cause de votre entourage. Je vous dis maintenant. Si vous ne voulez pas ça en cause de vos mauvaises amitiés. Je vous dis maintenant. Combien de personnes, les choses que vous avez échoué dans votre vie. Vous avez vous dites que vous échouez pourquoi Ça à cause de cette personne, de cette copine là. Ma copine, ma copine, ma copine, ma copine. Vous même vous savez dans les fumeux nigériens dans tous ces films là, vous voyez combien de copines partent sur les marabouts pour parler contre votre vie, non Vous même vous savez, je ne vous apprends rien. Vous voyez comment certains certains amitiés vous détruisent et vous amènent dans la tombe. Je vous en parle, je vous je vous dis rien. C'est à cause des amis que beaucoup de têtes se sont tombées, de plus de grands hommes se sont, sont tombés dans cette vie. À cause des amitiés, de mauvais, des mauvais entourages. Si vous marchez avec des amis, vous marchez toujours avec des personnes qui sont là juste pour vous moquer, pour se moquer des autres. Si vous marchez avec des personnes qui sont toujours là pour, pour insulter les autres, vous-même vous aurez la même chose, non On se dit la vérité ou pas Et On se dit la vérité ou pas Vous-même vous aurez vous la même chose. Sachez déterminer ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Et c'est votre entourage aussi qui va permettre cela. Vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous n'allez rien avoir dans votre vie. Déterminez votre entourage. Commencez à faire une liste des personnes que vous allez continuer à suivre, des personnes que vous allez mettre de côté. Oui, oui. La personne qui sait où elle va, c'est pouvoir faire le tri dans ses amis. Oui. Si tu sais où tu vas aller, tu vas pouvoir faire le tri dans tes amis. Oui. Cette personne-là qui te ramène toujours en arrière, cette personne-là qui ne peut jamais te dire que non, tu es capable de faire certaines choses, vas-y, sois une tiens une fonceuse, tu, tu peux arriver. Cette personne-là qui te dit toujours que tu ne vas jamais réussir dans ta vie, tu continues à marcher avec elle, pourquoi Sois en clair, on ne va pas supplier l'amitié. On ne va pas supplier l'amitié. Mon premier ami d'abord, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. On ne va pas supplier l'amitié. Cette personne-là qui vient t'insulter tous les jours, tu vas continuer à rester avec elle. Non mais sérieux Sérieux Il y a des qui viennent ils insultent même jusqu'à tes enfants. Tu es toujours là parce que tu as... Tu, non, c'est mon ami, non. Non, depuis on a traversé des longues choses ensemble. Tu as traversé des longues choses avec elle, mais ça ne veut pas te voir évoluer dans la vie. Tu la mets de côté, tu avances. Et tu avances. Et ne, et ne soyez pas... Quand vous faites ça, ne soyez pas... N'ayez pas mal dans votre cœur. C'est en découle votre destinée. Dans la destinée... La, la fait de destinée, si beaucoup de personnes jouent avec ça. Dans la destinée, je ne sais pas faire les trois stratégiques. Si ne sais pas faire les choix, les choix stratégiques, tu ne vas pas véritablement avoir ce que Dieu t'a appris, appris vous dans ta vie. Si tu ne sais pas faire les choix stratégiques, tu ne vas pas pouvoir. Il y a certaines personnes qui peuvent même suivre faire les congossas dans la vie, faire des choses, les congos parler des gens dans leur dans haut de partie peut-être dans un enseignement qui édifie. Un enseignement peut-être. Ces personnes-là qui vous amènent à faire cela. Eh, mettez-les de côté. Ton entourage détermine où tu vas aller. Pourquoi tu n'évolues pas C'est à cause de ton entourage. Voici le point que je vais dire. Et si c'est pour toi, c'est non. Ok, fine. Ok, fine. Mais fais une étude de ta vie. Fais un peu un récapitulatif. Regarde avec qui tu marches. Regarde un peu avec qui tu marches. Regarde où ils sont. Et regarde là où tu es. Tu vas voir. Regarde où ils sont. Et regarde là où toi tu es. Et tu vas voir que ton entourage détermine aussi où tu vas aller dans ta vie. Ton entourage, c'est à, à cause de ton entourage que tu n'évolues pas. C'est à cause de ton entourage. Donc, vous devez, vous devez savoir. Quatre mois pleins. Okay. Donc, vous devez savoir où vous allez. Sachez où vous allez. C'est très, très important. Sachez où vous allez. C'est ce que vous, Mon premier et mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Ah oui. C'est ce que je voulais aussi vous donner en tant que point pour celles qui n'évoluent pas dans leur vie. Ces personnes-là qui sont dans vos vies et que tout ce qu'elles qu vous disent ne sont que mépris, ne sont que injures, ne sont que. Pourquoi vous restez avec elles On a peur souvent de dire à l'autre que non. Vraiment, je vois que notre amitié nous amène nulle part. S'il te plaît, laissons tomber. Beaucoup de personnes n'arrivent pas. Même si tu as peur de dire cela, laisse-la partir. Si tu as peur de dire cela, laisse-la partir. Fais de telle façon que. -toi, Retire-toi petit à petit. Retire-toi petit à petit. Ne te retire pas brusquement parce qu'il y a certains là qui connaît tous vos secrets. Elle connaît tous tes secrets de A à Z, tout ce que tu as fait de mauvais ou de bien. Elle connaît tout ça. Quand une femme connaît tous tes secrets, ce que tu as fait de A à Z, hein? Quand elle connaît tout cela et que tu veux te séparer d'elle comme ça, brusquement, parle, c'est fini, elle va commencer à verser tout dans Deyo. Quand elle verse tout Deyo, c'est comme ça, tout est secret, toutes les choses intimes. C'est comme ça que c'est versé Deyo. Donc, retirez-vous doucement, sachez vous retirer stratégiquement. Il faut accepter de laisser partir les gens dans ce dos. Oui, il faut accepter de laisser partir les gens. Il y a un moment là où c'est stop. Il y a un moment là où même votre esprit vous dit que arrête, arrête, mais tu forces, tu joues avec ça. Arrête, arrête, mais tu forces, tu avec cette amitié-là. Sachez, vous séparer. Sachez accepter quitter les personnes Et quitter stratégiquement Ne quittez pas brusquement comme ça Oh tu n'es pas une bonne amie Quitte là-bas toi c'est rien Eh hey, maman Tiens là tes secrets C'est versé ou wow. D'autres partent même sur le net Ils commencent à verser tous vos secrets Quitter stratégiquement Vous partez comment Quand il y a hésitation Non ma chérie Tu trouves des excuses Trouve des excuses Trouve des excuses, Trouve des excuses. Les gens n'ont pas de but dans la vie Certaines personnes n'ont pas de but N'ont pas de but dans leur vie Tu trouves des excuses Tu les fais, tu les fais retracer retrés au fur et à mesure que tu trouves des excuses elle va comprendre non tu es trop occupé non tu fais quelque chose c'est comme ça c'est comme ça que j'ai adopté cela avec une connaissance j'ai trouvé tu je dis que non je ne peux pas désolé je j'ai pas de temps je n'ai pas de temps on ne peut pas parler parce que surtout quand vous vous asseyez vous parlez de n'importe quoi de rien du tout des choses qui ne vont même pas t'aider qui ne vont pas te servir pourtant tu peux suivre une édification là qui va t'aider toute ta vie je dis stop j'espère que vous avez partagé cette vidéo je dis stop je dis que bon ok je trouve des excuses. Non, je suis occupé. Non, j'ai telle conférence, telle C'est comme ça que je me suis séparée de certains amis. C'est comme ça. Avec gentillesse, avec gentillesse, doucement, 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 la personne va comprendre que bon, on n'a pas le même, on n'a plus le même centre d'intérêt. La personne va comprendre, on n'a plus le même centre d'intérêt. C'est comme ça que je, je me retire. Et c'est comme ça qu'elle va se retirer tout doucement. Ne partez pas brusquement, sinon vos secrets risquent d'être et essayer, ouah comme ça là. Vous allez vous dire qu'elle a dit ceci, ouh ouh, mes secrets ceci, mais c'est pas bon. Ce n'est pas bon, donc c'est ce que vous devez aussi faire. Je vous ai parlé aussi de ce qui ne vous empêche d'évoluer, c'est l'impatience. Vous n'êtes pas patient. Quand certaines personnes prient aujourd'hui, elles veulent voir ça aujourd'hui. Comme j'ai prié là, c'est comme ça que je veux. Il y a une raison à un moment précis. Pour... C'est comme ça que je veux que ce soit la présentement, là présentement. Je veux que ce soit là présentement. Dès que tu as prié, tu veux atteler, tu veux que ce soit là présentement, tu veux que tu... Dieu te donne ça. Apprenons aussi la patience. Dieu aussi bénit ceux qui sont patients. Sois patiente. Mais les choses, ferme à monsieur. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé des, des business. Je prends l'exemple. Tu crées ta chaîne YouTube, tu crées ton, 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 ton ta page Facebook. Tu veux peut-être tu tu en relation avec quelqu'un, mais tu veux que tout ça brusque. Bon, je vais moi, c'est fini. Sérieux Pour qu'une page Facebook fonctionne, il faut la consistance. C'est pour ça que j'ai ouvert cette, cette formation du 27 mars. Il faut la consistance. C'est au fur et à mesure que vous mettez des, des échelons Au fur et à mesure que vous mettez des éditions, L'édition n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle parce qu a construit ça en un an. Vous-même, vous savez, ça fait 5 à 6 ans. Coach Darcy n'est pas la présentement parce qu'elle a construit ça en un an. C'est la constance C'est au fur et à mesure, avec la patience, la persévérance, vous arrivez à votre but. Que ce soit dans votre mariage, avec l'éducation de vos enfants. Vous n'avez pas dit à un enfant que présentement, ne fait plus ça, il va, faire, il va arrêter de faire à l'instant. C'est au fur et à mesure que vous allez lui répéter cela au fur et à mesure que vous avez, comme je prends un exemple d'un de, 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 enfant quand il veut marcher quand il va apprendre à manger moi ma petite fille quand elle prend la cuillère elle fait comme ça ça tombe encore elle apprend elle apprend depuis elle a train d'apprendre au fur et à mesure au fur et à mesure au fur et à mesure c'est comme ça que elle va, conduire, elle va commencer à, man, à bien manger avec la cuillère prendre comme ça elle fait hum. c'est comme ça qu'elle va pouvoir marcher elle commence à pouvoir ramper la patience est très importante. Vous êtes impatient, c'est ça qui fait que vous n'évoluez pas dans votre vie. La patience est très importante. L'audience a baissé. Continuez à partager pour que ça augmente. Je vous ai parlé aussi de la manière de prier. Je vous ai dit que vous devez prier stratégiquement. Vous devez apprendre à prier stratégiquement. Si tu n'es pas stratégique dans ta prière, tu ne vas rien voir. Nothing. Vous rien voir. Aucune chose ne va avancer dans votre vie. Soyez stratégique dans la prière. Maintenant aussi, la dernière chose que je veux partager avec vous qui consiste, qui, con, qui concerne comment, pourquoi vous n'évoluez pas dans la vie. C'est la façon. Ah, oh, merci pour les partages, je vois beaucoup de partages. C'est la façon dont vous vivez. Arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de vivre dans le passé, mes queens. arrêtez de vivre dans le passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Beaucoup de personnes ne font que vivre, ne peuvent que penser aux relations qu'ils ont eues il y a longtemps, il y a from, il y a les années 1900 là. Ils font que penser à ces personnes là. Chaque fois, ils pensent qu'à ces personnes là. Ils pensent à les, à, 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 au contrat raté. Ils pensent au contrat raté qu'il a eu là. Ils pensent, euh, ils pensent peut-être à l'emploi qu'on l'a refusé. On l'a refusé l'emploi là. Depuis, depuis, ils pensent comment il a échoué. Peut-être son bac cinq fois. Depuis, tu fais quoi avec ça Ça t'aide encore aujourd'hui Arrêtez de vivre dans le passé. Quand tu vis dans le passé, tu ne peux pas évoluer dans le présent. Tu ne peux pas évoluer dans l'avenir. Arrêtons de vivre dans le passé. Tu vis dans le passé, c'est comme ça que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, ce sera que relié au passé. Relié au passé. Tu vas penser à cette personne-là qui t'a trompé, au copain que tu avais là, qui t'a trompé tellement là. C'est pour ça que tu commences à... Tu deviens écrit. Ton cœur devient noir. Parce que ce copain-là t'a trompé. Tu ne fais que vivre dans le passé. Tu ne fais que vivre dans le passé. Ce n'est pas bon. Nous devons arrêter de vivre dans le passé. C'est ça qu'il faut aussi que tu n'évolues pas. Arrêter de vivre dans le passé. Le passé, quoi, c'est passé. L'acte manqué que tu as fait, la façon peut-être que tu as dit à ton, à, à ton mari, ce que tu as dit de sortir de ta bouche, c'est passé. Demande pardon, tu passes dessus. C'est passé. Nous nous attachons trop au passé. Et c'est comme ça que beaucoup de choses n'avancent pas dans nos vies. Parce qu'on est toujours encore attaché. On est toujours encore attaché il y a un an. On est attaché à ce qu'on a fait il y a deux ans. On est attaché à, ce que, à, tout le, à tout ce... On, on se dit que ouais, si je n'avais pas fait cet acte avec tel homme, peut-être peut ma vie sera mieux comme ça. Oh, si je n'avais pas... Si j'avais mieux appris pour cet examen, peut-être j'aurais eu cet examen. Oh, si je n'avais pas... Si je n'avais pas dit cette moi à mon enfant, peut-être ce ne serait pas comme ça. Oh, c'est passé, non C'est passé, non Pardonne-toi. Et arrête ton cœur. Tu te pardonnes. Et tu évolues. Tu construis ton avenir. Tu construis ton avenir. Voilà pourquoi les choses n'évoluent pas dans ta vie. Parce que tu es toujours attaché à l'acte que tu as fait dans le passé. Tu penses toujours à derrière. Il y a un an, il y a deux ans. Commencez à penser plutôt à l'avenir. Commencez à essayer de construire l'avenir. Tout ce que tu as fait dans le... Bonjour. Bonjour Michel. J'espère que tu vas bien commencer à vivre dans le présent, le passé, dans le futur et dans le présent. Quand on fait des actions, ce que moi je fais souvent, quand je fais une action, je me dis, bon, quand il s'agit de mon entreprise peut-être, quand il s'agit de, de, de ma vie, je me demande, je dis que bon, cette action-là, est-ce que ça va m'aider dans 5 ans Est-ce que dans 5 ans, je, je vois un peu, je vois un peu dans, plus dans l'avenir je dis, ma, tu ne me regardes plus. Les actions passées sont passées. Peut-être que tu es sorti, tu aurais dû peut-être faire tel, tel course avant de faire tel course. Après, tu ressasses ça dans ta tête, peut-être une semaine. Il y a des gens comme ça. Moi-même, je faisais d'abord ça. Moi-même, je faisais ça. Je ressens ce que j'ai dit. Et Peut-être que je n'aurais pas dû dire ça dans mon entretien d'emploi là. Et, et Peut-être je n'aurais pas dû dire ça à mon patron le jour là. Et, et Peut-être tu réfléchis ça pendant des heures, pendant des heures. C'est comme ça que ton cerveau s'envahit que de ça. Tu perds le temps à réfléchir sur une chose qui est déjà passée. Tu perds le temps à réfléchir sur un acte que tu as déjà fait. Le temps, c'est de l'argent. Prends ce temps-là pour apprendre quelque chose, pour apprendre quelque chose de nouveau. Prends ce temps-là pour apprendre une chose de nouveau et tu vas voir la différence. Tu vas voir les choses évoluer dans ta vie. Mais si tu t'attaches seulement à ce que tu as mal fait, je ne pense pas que ta vie va évoluer, va bien évoluer. Donc ici, je vous ai cité en fait plusieurs choses. Ce qui était là depuis le départ, je vous vois dire, je vous encore là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Merci. Merci pour votre consistance. Ce que je vous ai cité, c'était quoi La première des choses que vous devez... Vous devez faire pour que les choses évoluent, pour que, euh, les choses qui, qui, font que vous n'évoluez pas dans votre vie. Il y a d'abord l'impatience. Il y a, euh, il y a le fait que vous plaignez tous les jours, les plaintes quotidiennes. Vous devez arrêter les plaintes quotidiennes. Il y a, vous devez apprendre à être reconnaissant. Soyez reconnaissant. Je suis en train de faire un peu le recapitulatif. Vous devez apprendre à être reconnaissant. Vous devez apprendre, vous devez apprendre à, ne plus garder rancune à, à quelqu'un et à vous pardonner. Vous devez les réclamations de famille. Nous avons débattu beaucoup sur ça. Nous avons fait beaucoup de, de temps sur les réclamations de famille, sur les liens de famille. C'est ça qui fait que vous n'évoluez pas. Ces liens-là, ces réclamations-là, c'est vrai ce que ce que tu ce que dit. C'est mon problème. Vous voyez. Ces réclamations-là, toutes ces réclamations, ces liens de famille, on doit en décoder de cela. Ça fait partie de ce qui fait que vous n'évoluez pas. L'impatience, c'est ce qui fait que vous n'évoluez pas. La manière de prier, vous devez prier stratégiquement. Et j'ai aussi parlé de arrêter de vivre dans le passé. Parce que c'est ça qui nous freine pour avancer dans le futur. C'est ça qui nous freine. J'ai connu beaucoup d'échecs. En tant que femme, j'ai connu beaucoup d'échecs. Que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mes relations, j'ai connu beaucoup d'échecs. Mais est-ce que c'est ça que je vais m'attacher à ça pour continuer à avancer Est-ce que je vais m'attacher à ça pour faire mon présent Est-ce que je vais m'attacher à ça pour faire mon futur Jamais. J'ai dit non. C'était les erreurs, c'est passé. Les gens-là n'appartiennent plus à ma vie. L'acte-là n'appartient plus à ma vie. Je continue à avancer en mettant d'autres stratégies, en étant plus stratégique dans ce que je fais. C'est comme ça. Autant tu te pardonnes, tant tu passes à une autre chose. C'est comme ça. Tu te pardonnes, tu passes à une autre chose. J'espère que c'est à ce niveau-là. J'ai été claire. Je sais que mon, le direct a été en feu fait pendant un, un certain temps. Si vous avez des questions, vous mettez des questions là. Et ceux qui ont, ceux qui ont reçu le cas, il y a eu trois personnes que j'ai notées. Trois personnes qui, qui ont gagné euh, un appel de 30 minutes avec moi. Il y avait Aïssa Création, il y avait Siyatou et il y avait euh, euh, Leslie, Leslie Ndjomo, je crois, oui. Ces trois personnes ont gagné, sont les personnes qui ont le plus partagé pendant le mois passé. aujourd'hui On va faire encore ça à la fin du mois. Toutes ces personnes qui sont dans le direct, qui partagent constamment, toutes ces personnes qui, euh, qui commentent constamment nos publications, vous allez avoir un appel avec moi de 30 minutes. Et des crédits de communication, on va aussi insérer des crédits de communication. Il faut quand même qu'on vous encourage. On va aussi essayer des mettre des crédits de communication. On va faire le tirage au sort la fin de ce mois. Ceux qui commentent tous les jours nos publications, celles qui partagent tous les jours nos publications, celles qui qui like et qui qui constamment partagent, qui constamment sont en direct avec moi. Je vois tous ces noms là. Vous êtes en direct constamment avec moi. Vous allez avoir un une appel transmis, soit un crédit de communication pour vous continuer, pour que vous puissiez continuer à vous connecter à en mon dialogue. Vous voyez un peu. Donc on va faire ce tirage là la semaine prochaine. Il y aura des tirages, euh, des tirages, des crédits de communication à partir de 5, 5 000 à 10 000 en montant. Et un appel téléphonique avec moi. Donc, on doit, on doit, euh, on doit tu doit on doit... Celui qui travaille, on dit souvent que le, le travailleur a droit à son salaire, non Vous tous qui êtes en train de me soutenir, qui soient en train de vous êtes en train de Me soutenir en me regardant juste ma vidéo, c'est me soutenir. Me soutenir en partageant juste le message que je dis parce que ça va toucher d'autres personnes. C'est aussi soutenir mon message. C'est aussi soutenir ce que je défends en fait. Et ce que je défends, je sais que ça aide beaucoup de personnes. C'est aussi soutenir cela. Moi, je défends une femme qui doit être libre, libre mentalement, changement de mentalité. Ça doit être dans la femme. Le changement de mentalité, c'est ce qui m'a amené à être où je suis. Le changement de mentalité, la découverte de soi, l'estime de soi, l'entrepreneuriat, c'est ce qui me plaît. Et l'éducation de nos enfants, c'est ce qui me plaît. Vous allez constater, c'est sur ça que je tourne depuis cette page. Si vous me suivez depuis, vous allez comprendre que c'est ça que je tourne sur cette page. Que ce soit l'éducation des enfants, l'entrepreneuriat au féminin, que ce soit le changement de mentalité, que ce soit l'estime de soi, accepter comme vous êtes et en tant que vous là C'est ça que je parle sur cette page. Et le fait que vous partagez et que vous commentez tout le temps me permet de comprendre que vous êtes avec moi et que vous m'encouragez. Donc, on ne cesse pas, on ne cesse pas de s'encourager mutuellement, on ne cesse pas de s'encourager. Et ça que mes messages et mes lives vous aident aussi beaucoup parce que je reçois tellement de messages inbox, tellement de messages inbox. Donc continuons euh, à faire cet appel et, et, et je vais primer toutes ces personnes là qui font cela tous les jours. Vous avez des questions jusqu'à là? Notre direct, je pense, notre direct a beaucoup duré. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? On doit évoluer dans notre vie. Ce, ce direct là, c'était vraiment puissant parce que on doit évoluer dans notre vie. On doit évoluer dans notre vie et les choses qui vous freinent doivent être mises de côté pour qu'on avance. Il y a tellement de choses. Ça, j'ai pris juste cet aspect ou dix aspects. La, la prochaine fois, il y aura un tome 2, il y aura un tome 3. Au fur et à mesure que je vais déceler les choses, je décèle les choses que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie des autres. C'est pour ça que je viens vous en parler. Et surtout, moi, je me base surtout de ma vie, en fait. Quand j'enseigne les choses aux gens, c'est surtout de ma vie. Les actes que j'ai faits, je vous redonne cela. C'est comme ça que je fais. Je ne suis pas là. Je suis vrai dans ce que je fais. Je suis vraie dans ce que je fais. Je pense que chaque personne, chaque euh, personne dans sa vie, que ce soit entrepreneuriale ou familiale, il doit être vrai et transparent dans tout ce que tu fais. Mettez-moi des cœurs et des likes, vous me dites que vous êtes en train de m'écouter, des pouces en l'air, des pouces en l'air, vous me dites que vous êtes en train de m'écouter là. Tu dois être vrai dans ce que tu fais dans ta vie. Tu n'es pas vrai. Tu pars où Surtout si tu veux être un enfant de Dieu, surtout si tu es un enfant de Dieu. Tu pars où Nulle part. Nulle part si tu n'es pas vrai ce n'est pas vrai ça va tout te rattraper les mensonges ça rattrape toujours non donc on doit être vrai Et je vais vous rappeler encore une fois de plus notre, notre je vais vous rappeler encore une fois de plus notre formation du 27 c'est juste 60 euh, dollars juste 60 dollars canadiens ce qui est, je crois qu'il est 40 40 euros nous allons euh, je vais vous montrer comment vous fonctionnez sur les réseaux sociaux en tout cas, vous allez lire tout ça et les personnes, et j'ai vu, vu beaucoup de tickets, beaucoup de personnes ont déjà pris la formation. Merci à tous ceux qui sont en train de soutenir et qui veulent avancer à un autre niveau dans leur vie, et surtout dans leur entreprise. Donc, on va, on va se laisser. Vous avez des questions Je suis en train de regarder toutes ces personnes-là qui sont en train de suivre. ceux qui viennent d'arriver, ce qui vient d'arriver, vous allez vous, vous reconnecter après quand le direct sera fini et vous allez suivre cela. Nous avons, nous avons beaucoup parlé de, de, des liens d'âme. Nous avons beaucoup parlé des, des liens d'âme qui parlent contre notre, notre vie. Nous avons beaucoup parlé des réclamations familiales, beaucoup. Et c'est ça qui va changer dans notre vie. Vous écoutez ça euh, dès le départ et vous partagez à tous vos contacts. Parce que je sais assurément que ce que vous avez écouté, cela va aider beaucoup de personnes. Ok, je vous laisse alors. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Par quel moyen payer la formation? Ah ok, la mo le moyen, si tu es en Afrique, puisque je crois que tu es en Afrique, c'est à tout. Si tu ne peux pas payer par... Sur le lien que j'ai envoyé là, tu dois, tu dois envoyer euh, un montant un, à Orange Money. Si tu ne peux pas envoyer à Orange Money, tu dois envoyer par, par Western Union. C'est comme ça que tu peux payer la formation. En fait, écris-moi. Écris-moi et, et on va en parler. Écris-moi, je vais te donner les informations. Tu peux envoyer par Western Union pour pouvoir suivre la formation. C'est le, le 27 mars, comme j'ai dit. Vous allez voir toutes les informations là-bas. Bon, je vous laisse alors. Sauf si vous avez d'autres questions encore. J'ai déjà répondu à vos préoccupations. Si c'est concernant la formation, vous me dites. Si c'est concernant ce qu'on a appris, ce qu'on a fait tout à l'heure, comment vous évoluez, ce qui n'évolue pas, ce qui vous permet de évoluer dans votre vie, vous me dites et on en parle encore un peu. Je suis là pour vous. J'aime partager en fait ce que je sais. J'aime partager ce que, mes connaissances, ce que j'applique tous les jours dans ma vie, parce que c'est qu'en partageant, ça va aussi vous aider. C'est comme ça qu'on doit être. Ne soyons pas des, des personnes qui, ont, qui sont, sont dues pour donner à, à d'autres personnes même nos petits secrets, qui sont dues pour partager avec, avec des personnes. Parce que en disant, ça libère beaucoup de vie, vous ne savez pas. En disant, ça libère beaucoup de vie. Donc si tu as la, si tu as la possibilité d'édifier des personnes, si tu as la possibilité de parler aux personnes pour qu'elles changent leur façon de faire, fais-le. Vous pouvez être en entourage comme ça, assis là en train de débattre. N'aie pas peur de dire ce que tu penses. N'aie pas peur de dire ce que tu penses toi en tant que, en tant que personne. N'aie pas peur de dire ce que tu fais souvent qui peut aider d'autres personnes. N'ayons pas peur de s'estimer, de s'accepter comme on est. N'ayons pas peur de dire ce qu'on pense. N'ayons pas peur. Parce qu'assurément, ce que vous vous dites va aider une personne. Assurément, ce que vous faites dans votre vie va aider une personne. Ça, c'est sûr. Soit là, comme je dis toujours, ne, ne vivons pas pour nous seulement, mais vivons pour les générations futures. Vivons pour les générations futures. Pour les générations futures. Donc, regardez votre derrière. Regardez votre génération future quand vous faites certains actes. Pour que ces personnes-là, courage, brave dame. Merci beaucoup, Ahmed. Merci. Pour que ces personnes-là qui sont derrière nous ne puissent pas avoir, ne puissent pas être, ne puissent pas, ne puissent pas euh, vivre, ne puissent pas mal vivre à cause de ce qu'on a fait. C'est pour ça que dès présentement, si j'essaie de mieux bien vivre, j'essaie de faire ce qui est bien pour ne pas... Pour ne pas manquer de respect à quelqu'un, pour ne pas être, pour ne pas blesser beaucoup de personnes dans la vie, pour ne pas être là, pour être le, 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 le mandat de, de malheur d'une personne. Je ne veux pas ça. Parce que je sais qu'en en faisant ça aussi, mes enfants peuvent, en, peuvent avoir ça. Mes enfants peuvent avoir cela dans la vie. Et je ne veux pas que mes enfants vivent, vivent, euh, vivent mal à cause de mes fautes. Non. Je ne veux pas que mes enfants vivent mal à cause de mes fautes. C'est pour ça que je veux, je veux toujours que. Quand j'enseigne, c'est pour ça que je veux que vous soyez. Vous faites des choses qui vont aider les autres personnes, les septs, cette, cette génération future, même ceux qui vous regardent. Ne prenons pas les uns même sur vos enfants, même vos cousins, vos tantes, même vos voisins. La façon dont vous agissez, ça impacte aussi sur vos voisins. Ça impacte aussi sur vos voisins. Il faut que le peuple africain doit changer de mentalité en fin d'avancer. Ah oui, maintenant c'est ça. Le peuple africain doit changer de mentalité en fin d'avancer dans leur vie. Et c'est pour ça que j'ai créé cette page, parce que le changement de mentalité. Ça s'opère aujourd'hui. Et j'aime trop le dire. J'aime trop dire cette phrase-là. J'aime trop mon slogan. Le changement de mentalité, ça s'opère aujourd'hui et maintenant. Parce que c'est ce que j'ai opéré dans ma vie. Eh oui, c'est ce que j'ai opéré. Écrivez-moi en commentaire. Le changement de mentalité s'opère aujourd'hui. Le changement de mentalité s'opère en 2021. Écrivez-moi ça en commentaire. Écrivez en commentaire là. Je ne vois pas encore. Le changement de mentalité s'opère aujourd'hui. Le changement de mentalité s'opère en 2021. Si vous ne changez pas vos, vos, votre manière de faire, si vous ne, les, les, les perceptions que vous avez, vous ne changez pas, vous n'allez pas aller quelque part. Il faut qu'on se dise la vie. Vous, vous n'allez nulle part. Nulle part. Bon, je vais vous laisser. Je crois que... Voilà. Florette a écrit. Le changement de mentalité s'opère aujourd'hui. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Imprime déjà ça dans ta tête. Tout part de là. Dès que tu t'imprènes déjà ça dans ta tête et tu te dis que le changement de mentalité, je vais avoir le changement de mentalité, je vais avoir le changement de mentalité, je change ma façon de voir les choses, je change ma perception de voir les choses, vous vous comme ça, on va enregistrer cela. Et vous, la façon dont vous avez, vous allez vous constater qu'après 2-3 mois, la façon dont vous voyez certaines choses, la façon dont vous vivez certaines choses sera différente. Ça sera différente. Parce que vous allez changer cela. Martine dit le changement de mentalité s'opère aujourd'hui. Hey eh oui, yes, McLean, c'est de ça qu'il s'agit. Le changement de mentalité, ça s'opère aujourd'hui, Martine. Ah oui. Opère le changement de mentalité dans ta vie. C'est comme ça. J'ai opéré le changement de mentalité. Donc, dites-vous ça tout le temps que j'opère un changement dans ma vie. J'opère un changement. Je vois la perception que j'ai différemment. J'ai une, une perception différente de la vie. Dites-vous ça. Nous autre comme ça on va imprégner cela dans votre vie. Vous allez voir que certains problèmes vont arriver dans votre vie. La façon dont vous réagissez sera différente sera différent, la façon, la façon dont vous allez réagir sera différent. Le changement de mentalité se fait en 2021. Il faut accepter de réussir, de la réussite des autres autour de nous. Oui. Sinon, tu pars où Sinon, tu pars où Donc, je vais vous, je vais vous laisser. Ah, Martine a écrit maintenant, ok. Je vais vous laisser, alors. Et imprimez cela dans vos vies. Ce qui vient d'arriver. Yes, yes, Martine. Yes, yes, ma Yes, yes. <laughs> Ce qui vient d'arriver. C'est ce qui vient d'arriver, vous allez suivre la vidéo dès le départ. Écrivez-moi là où vous venez même. Vous venez d'où Martine, tu viens de quel pays Martine, tu viens de quel pays Manon, je sais que tu es au Cameroun. Martine, tu es de quel pays Florelle, je sais que tu es au Cameroun. Michel, je sais que tu viens de... Non, Michel. Non. C'est de l'Europe, Michel, je crois. Je crois, Michel, c'est l'Europe. Non Écrivez-moi là dans quel pays vous venez. Vous êtes. Écrivez-moi. Martine, tu viens de quel pays Écrivez-moi, vous venez de quel pays tous ceux qui sont en train de me suivre. J'attends, 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 là. Allemagne. Martina en Allemagne. Oh yes, oh yes. Tu parles le... J'ai fait ça. J'ai fait la, 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 la langue. Mais j'ai juste fait ça à l'école. Je crois que c'était le quatrième en terminale. Je chante, euh, je chante je chante j'aime souvent chanter euh, joyeux anniversaire en, en allemand Tungabustafiglu, Tungabustafiglu. J'espère que je retiens encore bien Tong Geburtstag viel Guten Tag <laughs> On rigole un peu nos cotes. J'ai fait A ah, jusqu'en terminal. Mais sérieux je ne comprenais pas très bien. Il faut pas qu'on se Michel vient d'Europe. Ah oui, je savais. Florette du Cameroun, oui. Je savais que Michel venait d'Europe. Florette du Cameroun, oui, oui. OK. Et qui est encore là? Qui n'a pas encore mis son pays? Qui est en train de me regarder là? Vous êtes en train de me regarder. Mettez votre pays là. J'espère que j'ai bien chanté un hein, matin. bien j'ai mal chanté. <laughs> Est-ce que j'ai bien chanté? J'ai bien chanté allemand là, l'allemand là. C'est mon match. À, 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 à l'école là, j'ai détesté mon, mon professeur d'allemand. J'ai détesté le professeur là. Je sais pas pourquoi. J'ai détesté même d'avoir la matière, là. Mais je suis allée jusqu'à jusqu un terminal avec ça. Deutsch, bravo, tu retiens encore. Guten Tag, Audrey. Ah <laughs> ouais, je retiens encore l'allemand un peu là. Guten Tag, ma <laughs> Je retiens encore et j'en suis, en suis quand même fière. C'est quand même Michel dit de France. Ok Michel. Et les business là-bas ça va bien en France. Il sait que le dropshipping a pris un autre flux, un autre, un autre niveau là-bas. Et je suis en train de préparer un autre direct concernant aussi le le. le je suis en train de préparer un autre direct concernant le le dropshipping. J'ai découvert une méthode là en dropshipping qui pourra vous aider. Tu n'as pas, tu, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de, tu n'as pas, euh, tu tu, euh, tu as juste un site. Tu, Comment ça va juste tu peux prendre les oh je vais vous montrer cette méthode là j'ai envie de préparer ça de telle façon que ce soit peut-être une formation peut-être gratuite je vais voir comment je peux faire ça si je ne peux pas je vais juste vous parler vous allez adapter Séverin Santad qui vient du Cameroun bonjour Séverin j'espère tu vas bien j'espère tu vas bien mon cuin j'espère 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 bon on va faire on va faire comme ça je vais alors vous laisser et de, la semaine prochaine tout le monde m'a dit oui oui les personnes qui veulent comment vous savoir comment découvrir son talent Comment découvrir le talent de ses enfants Nous allons parler de ça la semaine prochaine. J'ai eu beaucoup de... Les retours ont été oui, oui, oui partout. Si Vigas is en train de me regarder, vous voulez découvrir le talent de vos enfants. -moi oui 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 oui, 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 no, es Non 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 Non, 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 Là, 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 tu là, 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 là. là, 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 tu là, no, no, que que là que là, là, Non Non, 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 non. Là, c'est trop... Oublie-moi. Je ne parle plus allemand. Vigas, elle dit, laisse-moi avec ça, je ne connais pas, s'il te plaît. Oublie-moi, j'ai seulement parlé, j'ai seulement chanté. J'ai chanté seulement Joyeux Anniversaire, c'est tout ce que je connais. Je connais aussi Guten Tag et le reste, là. Je connais des personnes qui parlent même dix langues. Et je, dis, je vous encourage, continuez à apprendre les langues. Chacun à son niveau, s'il vous plaît. La, la semaine prochaine, le direct, c'est Comment découvrir les talents de ses enfants. J'ai pris beaucoup de... Je, je vais veux, je veux vous montrer, en fait, comment moi, j'ai j'ai fait. En fait, pour découvrir, en fait, les talents, les talents de mon enfant. Je vais vous montrer les étapes que j'ai fait. La façon dont je l'ai étudié, en fait, pour regarder ce qu'il aime bien faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est très important. Qui veut, qui veut, dé comment découvrir les talents de ses enfants? La personne qui veut, qui veut que ce direct soit là le lundi prochain. Mais oui, 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 oui. Je veux voir les huit partout, là. Vous voulez découvrir le talent de vos enfants? Vous voulez qu'on parle de ça lundi? Même si tu n'as pas encore d'enfants, c'est très important pour toi. Nous, nous, c'est nous qui devons mettre, nous devons aider nos enfants à, à, entrer dans leur talent. Nous aider nos enfants. Parce que, de la façon, si tu, quand tu découvres le talent de ton enfant, ça permet que tu travailles dessus. Ça permet que tu travailles dessus. Et quand tu travailles dessus, vous pensez que les, tous ces riches-là, ils ont fait comment? Et c'est parce qu'ils ont travaillé sur leur talent dès le bas âge. Dès le bas âge, ils ont travaillé sur leur talent. Et c'est comme ça qu'on doit faire sur nos enfants. Vous allez voir les enfants qui sont écrivains à 10 ans, ils ont des millions de dollars. C'est pourquoi C'est parce que a, le parent a pris ce talent-là, travaillé l'enfant avec ce talent-là. Vous allez voir les, les, les meilleurs dans ce, ce monde-là, ils ont 8 ans, ils ont tout ça. C'est pourquoi Ils ont travaillé ça depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Et je vais vous montrer comment j'ai décelé pour mes enfants. Vous voulez ça, c'est oui partout. Vous voulez comment savoir comment des. Oui, de, 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 oui, oui, partout. On va en parler de ça la semaine prochaine. Je vous prépare un direct de feu la semaine prochaine. Vous savez tout que mes directs, mes directs, ça vient convertir, ça vient changer votre façon de faire les choses. Et on doit parler de nos enfants. Ça, c'est le mois de la femme. C'est le mois de la cuisine de la femme que nous sommes. Donc, on doit continuer à parler de ça. Et vous savez que ça vient d'abord des femmes. C'est la femme qui doit amener ça. Même, vous savez que la, la femme, c'est le cocon. C'est elle qui amène même son mari à faire des choses différemment. C'est elle qui amène son mari à se voir comme un roi. Comme un roi. Je connais des hommes ici-là qui n'arrivaient même pas à se voir. À te déposer, même plus ça. Ne parle. Moi, aussi, ma part ne finit pas. Je connais des hommes comme ça qui n'arrivaient jamais à se voir comme, un, comme des leaders, comme des rois. Les femmes leur abaissaient toujours. Il veut faire telle chose Non. Il veut faire telle chose Non, non, non. C'est toi la femme qui doit élever ton homme. C'est toi la femme qui doit élever ton homme. Si ton homme veut commencer quelque chose un business, encourage-le. Encourage, -le. Encourage -le. va me chercher les informations pour lui, pour l'aider. Ne soyons pas, le, ne soyons pas les, les, les femmes sortes, ne soyons pas déjà des femmes qui voulons gâter notre mari, qui prenons le, le, le dessin de notre mari, on met comme ça en boîte, comme ça on jette. Quand tu fais comme ça, même ta pas est jetée. Quand tu jettes le dessin de ton mari, même ta pas est jetée. Même ta pas est jetée. Donc, ce qu'on on doit faire, on doit élever nos maris. On doit élever nos maris. Nous sommes des femmes de distinction. Nous sommes des femmes. Écris-moi là-bas, je suis une femme de distinction. Je suis une femme de distinction. Vous voyez, quand la façon dont vous positionnez, vous savez que j'aime la façon dont tu dois te positionner en tant que femme, non Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que tu t'acceptes comme tu es. Tu as une valeur. Tu sais ce que tu défends dans ta vie. Tu t'acceptes. Tu es comme ça. Tu as les bras comme ça, là. Comme ça. Pas comme ça. Mais c'est comme ça. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Tu ne dois pas être, tu ne dois pas, le, le, tu ne dois pas être l'échec de ton mari. Jamais. Le diable ne doit pas se servir de toi pour être l'échec de ton mari. Jamais. Je suis une femme de distinction. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Soyez des femmes de distinction. Quand, quand ton mari, il y a des femmes qui n'ont pas même ce leadership, ils n'ont pas la ils ne savent même pas comment entreprendre. Mais la façon dont la femme s'est levée dans la prière pour prier contre, pour, pour son mari, la façon dont elle s'est levée pour prier son mari, la façon dont elle s'est levée pour, pour pour prier contre tous ces tous ces esprits qui venaient dans son âme, son mariage, vous allez voir la différence. Même son mari va commencer à ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat. Oh ma chérie, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse comme ça. Je suis une femme de discernement à vie. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Mais si vous ne faites pas cela, votre foyer sera toujours comme ça. Le cocon du diable. Donc c'est là où le diable va venir s'amuser avec vous. Il va venir danser dans votre maison. Il va venir danser. Il c'est ce que tu vas faire. Il va te faire, tu vas insulter ton mari. Les grâces, tu vas insulter ses grâces. Tu vas insulter ton mari ne peut même jamais te bénir. Parce que tu l'as déjà tellement insulté. Tu l'as déjà tellement méprisé décidé d'ailleurs. Tu l'as tellement dit tellement de choses que lui-même quand tu vas entreprendre quelque chose, si ton mari ne te bénit pas, oublie ça, tu vas aller nulle part. Ton mari doit lâcher les, les, les paroles de bénédiction dans ta vie. Si ton mari ne lâche pas les paroles de bénédiction dans ta vie, tu ne parles nulle part. Tu ne parles nulle part, ma queen. C'est comme ça que tu es C'est fini, hein? C'est comme ça que le diable va venir jouer dans ta maison. Il va, il va visiter, vous êtes en train de dormir, vous êtes fâché, peut-être, vous êtes séparés là, là. Il va entrer là au milieu. Il va s'aimer la zizanie entre vous. Comme ça, le mari va commencer à détester. La femme va commencer à détester l'homme. Le mari va commencer à détester l'homme. C'est parti, bang! Fusillade dans toute la maison. Les enfants aussi vont entrer dans ce genre de jeu. C'est comme ça. Les enfants, rien du tout. Nothing. Parce que la main n'a pas pu se lever dans la prière. La main n'est pas partie dans son lieu secret. Vous savez qu'une femme a un lieu secret. Vous savez qu'une femme doit avoir un lieu secret. Vous savez qu'une femme doit avoir un lieu secret. Écrivez-moi oui ou non. Vous savez ça. Une femme doit avoir un lieu secret. Pour elle, là où elle s'assoit, euh, allez suivre le, 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 le film là. C'est quoi ce « mais Wow, oui, là où la femme se place puissamment pour, pour, pour prier pour son mari. Son mari, il, son mari il la trompait. Son mari la trompait, son mari était en train de détruire sa famille, son mari l'insultait tous les jours, son mari la méprisait tout le temps. Quand elle s'assit, elle est, est entrée dans la prière. Il est revenu. Il dit qu'il est revenu. Les grâces sont encore abondées dans sa vie comme ça. Les bénédictions sous bénédictions changement d'emploi, changement, l'argent ne fait qu'affluer dans leur vie. Parce que la femme s'est passée au, dans la prière. Pendant que le, 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 le mari lui donnait des coups, pendant que le mari l'insultait. Elle s'est placée dans la prière pour qu'on bénir son mari tous les jours. Au revoir, au revoir, voilà. Pendant que le mari l'insultait, la traitait de n'importe quoi, elle bénissait son mari. Elle bénissait jusqu'à ce qu'il a changé. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Il a changé. Il a changé les choses. C'est ce que vous devez faire, messieurs chers messieurs. Mes femmes, allez dans votre cocon. Vous avez un moment là, là où votre mari n'est pas allé peut au travail, là où il n'y a personne à la maison. Vous vous asseyez, vous mettez à genoux, vous vous asseyez dans votre, dans votre maison. Vous priez. Voilà, wow, un magnifique. Vous regardé absolument. Oui, Florette, vous priez pour votre mari. Lâchez les bénédictions sur lui. Lâchez les bénédictions. Que le Seigneur lui donne l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit parle sur son cœur. Que le Saint-Esprit bénisse son cœur. Lâchez des paroles de bénédictions sur sa vie. Je vais vous donner aussi un exercice que vous devez faire et que j'ai fait. Je vais vous donner un exercice que ma mentor m'a nous enseigné. Je vais vous donner cela, cet exercice-là. Prenez un cahier. La personne qui, doit suivre, qui suit mon live est... Tu dois toujours prendre un cahier, un pic, parce que quand je parle, ça transforme. Quand je parle, ça transforme les vies. Prenez un cahier, vous faites cet exercice que je vais vous, 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 vous donner maintenant. Une femme, quand, quand, comme tu es femme, ce que tu dois faire, c'est quoi Chaque matin, midi et soir, que ton mari soit là ou ton mari ne soit pas là, ce que tu dois faire, c'est lâcher les paroles de bénédiction de sa vie. J'ai fait, moi, j'ai fait jusqu'à, j'ai mis un réveil. Passé, non, ça, c'est un téléphone que je n'utilise pas trop. J'ai mis un réveil. Quand ça sonne, j'ai mis le réveil, j'ai dit, priez pour mon mari. Priez pour mon mari. Quand ça sonne, je lâche les paroles de bénédiction. là il est. N'importe où il est, là, il, il est là. Même s'il est dans un travail, il est en train de vouloir signer un contrat, mais on l'a refusé. Il était dit que le Seigneur va m'entaler la personne, pour ce là, pour qu'il signe ce contrat-là. Oui! C'est de ça qu'il s'agit, mes 16 ans, mes c'est Priez pour votre mari, là où il est. Là où il est, même s'il est assis, où il est en train de faire quoi. Le malin veut l'attraper, là. Le Saint-Esprit, les anges sa le le, le qui est mandaté pour sa vie vont commencer à le bénir. Les anges qui est mandatés pour sa vie vont commencer à le protéger. S'il y a accident, quoi que ce soit, il sera retiré de cet accident-là. C'est comme ça que vous allez prier pour le mari. Si ton mari meurt là-dedans, tu es quoi Tu es quoi Toi, toi femme, peut-être saute. Toi, femme qui ne sait pas que en tant que femme, tu dois prier pour ton mari. Toi, femme qui ne sait pas qu'en tant que femme, tu dois lâcher les paroles de bénédiction pour ton mari. Hein? Si tu ne sais pas ça, tu pars où Tu pars où Nulle part. Nulle part. Nulle part. Il tombe les cause des paroles maudites que tu as dans sa vie-là. C'est quoi qui paie c'est toi et tes enfants qui perds, qui perds. Vous perdez. Vous perdez. Toi et tes enfants, vous perdez. Donc, ce que tu dois faire, écrire des paroles de bénédiction pour ton mari. Ça, 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 ça c'est dix phrases, cinq phrases juste. Tu mets un réveil, matin, midi et soir. Chaque fois, tu prononces ces paroles-là. Dès que ça sonne, Seigneur, bénis le cœur de mon mari. Saint-Esprit, bénis le cœur de mon ne sais pas si tu peux retrouver cela ici. Si je retrouve cela, je vais vous partager ça présentement. Mais si je ne retrouve pas, vous devez faire cela... Euh, vous devez faire cela tout le temps. Horloge, calendrier, voir peut-être ça, il y a ça ici. Voilà, il retrouvé. Et Saint-Esprit, avec nous, non. Ce que vous pouvez dire, pour votre... j'ai dit, lâchez les paroles de bénédiction pour mon mari. Merci, mentor. Ok, de rien, Florette. Ce que vous devez dire, c'est quoi? Hein? Saint-Esprit agit sur le cœur de mon mari. Et a dit que qui n'est pas en train d'écrire là Vous n'êtes pas en train d'écrire, j'arrête le, le, le direct et je passe à autre chose. Ce sont les choses qui vont changer la vie dans vous, qui vont changer les choses dans vos vies, dans votre mariage. Votre mari va vous voir différemment si vous faites cela dans votre vie. Donc, on partage, on met des cœurs, on met des likes et on continue. Vous ne faites pas ça. Bye. Ciao, bye. <laughs> non, je suis super Ne pensez pas que je suis nerveuse. Je suis juste en train de rigoler. Bon, on avance. Mais je veux voir des, des likes, et je veux voir des partages. Parce que tout peste, toute femme doit se connecter à ça. Mettez-moi des likes pour que je, je continue. Voilà. Voilà. Là, je vois des likes. Là, je vois, on peut continuer. Le direct, tu va me faire deux heures. Waouh. On continue. Ce que vous devez dire. Tu es en train d'écrire Florette, ok c'est bon. Ce que tu dois dire, hein, Saint Esprit agis sur le cœur de mon mari. Voilà une parole. Tu proclames sur ça. Saint Esprit agis sur le cœur de mon mari. Saint Esprit tiens le cœur de mon mari. Saint Esprit tiens le cœur de mon mari. Saint Esprit agis sur le cœur de mon mari. Mettez-moi en oh, merci. continue continuez à mettre des coucous là, et vous la deuxième, le troisième Saint Esprit prend le contrôle de mon mari, même s'il est où est, même s'il va entrer avec qui dans quelle maison, dans quel hôtel est, et vous dit, vous passez, vous lâchez cela matin, midi, et soir, vous allez voir la différence. Nous sommes des femmes qui devons nous placer dans le combat contre tout cela. Où nous devons nous placer dans le combat. Tu es une femme, tu ne te places pas dans le combat contre ça. Tu ne vas aller nulle part. Ta maison sera un cocon pour le diable. Ta maison sera un cocon là où le diable va venir danser tous les jours. Ta maison sera un cocon là où les mauvaises choses vont seulement se placer dans ta vie. Et ça va prendre tes enfants. Toute la génération future que tu vas mettre, au monde, toutes les générations futures seront que rien du tout. Toute ta génération ne sera rien du tout. Ils seront perdus. Parce que toi, la femme, tu n'as pas su te placer devant. Tu n'as pas su avoir des prières violentes pour ta famille et pour ta maison. Tu pars où? Je continue. Vous voyez ce que toi, tu dois dire maintenant en tant que toi, femme. Ce que tu dois dire, c'est quoi? Saint-Esprit, enseigne-moi à être une femme soumise. Oui, parlons de la soumission. Enseigne-moi à être une femme soumise. Je continue. Saint-Esprit, enseigne-moi à être une femme comme Esther. Vous connaissez Esther dans la Bible, non Celle qui ne connaît pas, allez lire ça. Allez lire cela. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mentor. C'est elle qui nous enseigne cela. Saint-Esprit, enseigne-moi à être euh, le bonheur de l'homme. Tu dois être le bonheur de l'homme. Je continue. Enseigne-moi à être une femme selon le cœur de Dieu. Saint-Esprit, enseigne-moi à être une femme selon le cœur de Dieu. Vous dites ceci. Je proclame et je déclare. Je suis une femme selon le cœur de Dieu. Vous dites ça trois fois. Trois fois. Toutes les phrases que je vous ai données là, trois, trois fois. Je continue, je termine. La dernière phrase c'est que que je sois le bonheur de mon mari. Vous dites ça tout le temps. Je suis le bonheur de mon mari. Je proclame et je déclare je suis le bonheur de mon mari. Qui a écrit? Qui a écrit? 50% des personnes ne vont pas écrire. On se connaît. C'est fini. Vous voulez que je répète? Vous me dites oui 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 oui. Je répète. Si vous voulez pas que je répète bon j'arrête le direct et je vous dis un autre direct la semaine prochaine pour vous parler de, de l'éducation de nos enfants. La personne qui veut que ré je répète me dit oui, 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 oui. Vous ne voulez pas que je répète, j'avance. Je, 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 Il y a des secrets. Ah, oh, j'ai écrit Mathieu, ok, nice. Ce sont des personnes comme ça, ce sont des violentes qui poss vont posséder leur maison. Tu dois posséder ta maison en tant que femme. Oui, répète, mentor, ok. Voici les phrases. Je répète une seule fois. Saint Esprit, agis sur le cœur de mon mari. Saint Esprit, tiens le cœur de mon mari. Saint Esprit, prends contrôle de mon mari. Saint Esprit, enseigne moi à être une femme soumise. Saint Esprit, enseigne moi à être une femme comme Esther. Saint Esprit, enseigne moi à être le bonheur de l'homme. Saint Esprit, enseigne moi à être une une femme selon le cœur de Dieu. Saint Esprit, euh, que je sois le bonheur de mon mari. Voilà, c'est ça. La semaine suivante, la semaine suivante, prochaine, tout ça, on va évoluer continuellement au fur et à mesure. Et que, pour que cela ne soit pas lâche, pour que cela ne soit pas donné à plusieurs personnes, je vais prendre un groupe. Soit vous allez entrer dans le groupe Femmes de valeur né pour briller, soit je vais créer un groupe uniquement pour ça. Pour que ça ne soit pas éparpillé. Ce sont celles qui veulent posséder leur vie, qui veulent être dans, qui veulent arranger leur famille, leurs femmes, leur, leurs enfants, leur mariage, qui doivent entrer en connaissance de cela. Si tu es aveugle, Tant pis, c'est que ce n'est pas pour toi. Donc, si je, ne, si, si, si je ne crée pas le groupe, vous allez entrer dans femme de valeur -E pour -Prier. Et c'est là-bas qu'on va maintenant commencer à faire des directs concernant cela. Donc, je vais faire des directs uniquement pour. J'ai écrit. Gisèle dit qu'elle a écrit. OK, fine, Gisèle, c'est bon. Je vais, je vais faire des enseignements seulement pour ça. Pour ça, uniquement pour la femme, les enfants, les trucs comme ça. Je sais que ça va bénir beaucoup de personnes parce que c'est une transformation que j'ai faite dans ma vie, que je suis toujours en train de faire. C'est une, une transformation continuelle qu'on fait dans ma vie. C'est continuelle. Ce n'est pas, pas une seule fois, c'est continuel. Donc, soit je vais créer un groupe comme ça pour qu'on soit payé Comme ça, on sait dans quoi, on sait l'enseignement, on sait dans quoi on va faire. Nous sommes les femmes juste là pour les leaders. là Comment intégrer ton groupe C'est femmes de valeur n'est pour prier. Là-dedans, il y, y a trois que j'ai euh, qui, qui postent tous les jours. Elles postent, pour le, elles postent sur les relations avec les autres. Elles postent les enseignements sur les relations avec Dieu. Elles postent les enseignements sur les relations avec les autres. Oui, elles sont trois ou quatre. Oui. Elle poste dans ça tous les jours. Et il y a une personne, la personne qui veut vraiment, qui veut enseigner aussi dans ça. Vous m'écrivez, je vous mets dans le groupe et vous enseignez. Vous aurez des jours là vous allez poster. Vous aurez des jours peut-être où vous pouvez faire des petites vidéos. Vous parlez aux femmes, vous postez là-dedans. C'est uniquement pour les femmes. Nous sommes déjà à 2500 ou 2600 là-bas-dedans. Vous voulez entrer là-dedans. Vous tapez juste le groupe femme de valeur née pour prier. Je l'ai créé il y a trois ans de cela ou quatre ans. Quand je ne savais même pas encore. Je vous ai dit ça la semaine passée. Qu'en créant ce groupe-là, c'est ce que je voulais être. Je voulais être une femme de valeur née pour prier. Et comme le groupe a commencé à grandir beaucoup, je ne pouvais plus être là constamment avec mes, mes activités. J'ai alors trouvé des femmes qui aiment enseigner, des femmes qui aiment parler de ce qu'elles font. Et je les ai mis. Et je les ai mis. Je les ai demandé d'écrire des enseignements là-dedans. Et c'est fine. Les, les femmes lisent ça. Surtout avec les relations avec les autres, les relations avec Dieu. Et toi, en tant que femme, elles parlent de leur foyer. C'est très important. Et si toi, tu veux enseigner, tu as ce cœur-là d'enseigner. Va taper, Femme de, non, va dans, va taper Facebook, Femme de valeur née pour prier. Non, va taper sur Facebook la recherche Femme de valeur née pour prier. Tu cliques, je vais t'accepter. C'est moi ce qui peut intégrer les personnes là-dedans. Quand tu vas cliquer, je vais voir ton nom et je vais t'accepter. C'est uniquement pour les femmes. Nous devons aller à un autre niveau. C'est uniquement pour les femmes. Et je vais maintenant programmer certains enseignements là-bas uniquement pour les femmes. On va plus faire dans, dans, dans tout un tas comme ça. On doit être dans un, dans un cadre seulement. Donc, allez là-bas, vous tapez Femme de valeur née pour prier. Oh, mon bébé veut déjà pleurer. Chérie, chérie. Ou taper femme de valeur n'est pour prier. Et au fur et à mesure, on va faire des enseignements. Que ce soit des enseignements de 30 minutes, de 1 heure. Je serai en direct là. On va, on, va, on va changer. On doit changer. On doit changer. On doit aller à un autre niveau. Donc, faites comme ça. Et, et je souhaite vraiment que vous réussissiez dans tout ce que vous faites. Je souhaite vraiment que vous soyez des femmes sages. Je souhaite vraiment que vous soyez des femmes sages. Des femmes dignes. Vraiment, je le souhaite vraiment de tout cœur. Sans vous mentir. Je souhaite que vous réussissiez dans tout ce que vous allez entreprendre. Je souhaite que vous soyez des leaders dans votre famille. Je souhaite que vous soyez des Moïse dans votre famille. Je souhaite que vous réussissiez à tous égards dans tout ce que vous faites. Et c'est avec la parole de Dieu qu'on peut réussir. C'est avec la parole de Dieu. Si vous n'adoptez vous pas cela dans vous, vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas. Merci Audrey. Oh, de rien, Michel. Vous ne pouvez pas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Vous avez des questions, vous m'écrivez en inbox. Ou bien vous partez dans le groupe Femmes de Valérie Népoubouille. Je vais répondre à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse. Bye. Et merci d'avoir suivi ce direct.